Coucou, bon, et hop, et hop. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Margot. Salut, salut. Soyez les bienvenus. Je ne sais pas encore comment ça se passe, qui est là, mais c'est pas très très grave. Je voulais ouvrir une fenêtre ici. Comment tu vas, Margot? Écoute, ça Un peu va, un peu fatigué fatiguée pour pour une une grosse journée journée au au Parlement, Parlement, mais il faut mais ce il faut ce qu'il qu'il faut, faut, donc donc voilà. et toi? Écoute, j'ai une longue journée, mais moi j'ai fait une sieste en fin de journée pour être en forme. Plus malin. J'ai C'est plus malin. j'avais l'occasion de le faire. Alors, est-ce que donc toi tu m'entends bien? Je t'entends bien. Alors, on va hop. Attends. J'adore que ta J'adore que musique t'as est mis beaucoup trop trop canon. canon. Ça donne bien. Ouais, franchement, trop artiste là, les petites plantes, le palais et tout. On est à Bruxelles et en même temps, c'est un peu vert, quoi, tu vois. Ouais, bah Du coup, écoute. la barre est haute, tu vas devoir faire ça pour tous tes intervenants futurs adaptés. Oui, je fais ça à chaque fois. Je fais ça à chaque fois. Alors, salut Raphaël. Raphaël, ah, merci John pour le raid. Voilà, quelques petits viewers pour commencer. C'est bien, ils vont arriver au début du live, donc j'aurai l'occasion de bien leur expliquer ce qui se passe ici. Raph, est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien Margot? Moi, je préfère laisser parler pour voir si vous voulez. Voilà. Salut John, j'espère que ça s'est bien passé votre. Donc John sur Bigos TV, ils ont fait. Salut Christian, ils ont fait un live d'écriture. Oh. Ils ont fait un live d'écriture avec un humoriste, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est une première. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Alors, ben nous, ben voilà, on va tout doucement. Donc tout m'a l'air bien, j'ai tout bien fait. Voilà. Bonjour les gens. Donc voilà, soyez les bienvenus. Ben Margot, avec Margot Doré, on va entamer une série où je vais inviter des femmes et des hommes politiques à parler de ce qu'ils font. Alors évidemment, le spectre est hyper large. Moi, ma chaîne, c'est les internets et autres brôles. Donc, on va aller évidemment plutôt vers les internets, vers les réseaux sociaux, avec des choses. Avec d'autres. Un scope peut-être un peu plus large. Mais voilà. Donc, j'ai invité Margot parce que d'abord, on se connaît depuis longtemps. Margot, elle vient de la. On s'est connus via les réseaux sociaux. Margot travaillait dans une start-up avant. Et donc, elle a fait le pas en politique. Ça fait, il y a quoi? Il y a. T'es Un devenue. petit peu plus qu'un an, en C'est fait. ça. Mais donc, elle a fait le pas en politique plus tôt parce qu'elle a fait quand même la campagne qu'il y a déjà il y a 2 ans. Donc, elle était bien placée en ordre pour remplacer. C'était en tout cas écrit dans les as qu'elle deviendrait députée pendant la législature. Et donc, Non, voilà. mais... Moi, Quoi? j'étais pas aussi sûre que ça, mais je crois que tu as accès à d'autres astres que moi, du Non, coup. non, mais ça n'existe nulle part en fait que tu étais tellement proche que en fait il n'y a personne, il n'y a aucune famille politique qui termine en entier jusqu'à la fin. Alors oui, tu serais peut-être devenu député un mois avant les élections, ce qui est déjà arrivé, mais voilà, c'était fait. Mais donc, alors aussi, voilà, on est une vingtaine. Petit disclaimer que je ferai chaque fois que je parlerai de politique. J'ai travaillé pour Écolo entre 2009 et 2010 pendant un an. Et depuis lors, j'ai déjà donné des formations à des gens chez Écolo, au CDH, au MR et au PS. Comme ça. Il n'y a pas de surprise. J'ai aussi été journaliste politique pendant 5 ans pour l'ADH. J'ai eu un blog sur la politique belge. Voilà, donc je le répéterai encore pour ceux qui viennent entre guillemets d'ailleurs. Mais donc voilà, comme ça, il n'y a rien de caché chez moi. J'ai aucun problème avec le fait que j'ai fait la politique. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai déjà beaucoup parlé et donc je vais d'abord te laisser te présenter. Ouais. On va voir comment tu te présentes et puis je te présenterai moi. Ça Salut. va, ok. Mais donc, merci beaucoup, Mathieu, pour l'invitation. C'est la toute première fois que je fais
quelque chose sur Twitch. Donc, jugez-moi, dites-moi si je m'y prends bien ou pas. Faut pas hésiter à faire du feedback. Donc, je m'appelle Margot, donc je suis députée depuis le mois de septembre de l'année dernière, avant le corona. Je suis députée à Bruxelles et j'ai la chance d'être dans deux parlements au niveau de la région. Donc, tout ce qui est matière liée à, par exemple, à la mobilité, à l'urbanisme, etc. Et aussi, députée en Fédération Annie-Bruxelles, où là je suis plutôt toutes les matières qu'on appelle personnalisables, style l'enseignement, la culture et les médias. Alors j'ai deux gros sujets que je traite. Le premier sujet, c'est tout ce qui est en lien avec le numérique. Et donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles tu m'as invitée, c'est justement pour aussi un peu discuter de numérique. Et puis le deuxième volet de mes dossiers, comme on les appelle, c'est tout ce qui est égalité des chances, droits des femmes, égalité des genres. En gros, comment est-ce qu'on fait un peu pour essayer de rendre notre société plus inclusive et plus sympa pour tout le monde? Ben voilà, écoute, ça me semble pas mal. Margot, c'est aussi autre raison, c'est Nana qui est très très impliquée sur les réseaux sociaux. Ça fait des années qu'elle publie plein de choses sur que ce soit sur Facebook, Instagram, avant Twitter. On en parlera peut-être plus tard de ça, mais un peu plus tard dans le chat. Alors en parlant du chat, voilà, parce que je vous ai un peu pour l'instant délaissé. Donc voilà, alors mener le red utilisé, nana j'ai fini de rire. Alors bonjour à tout le monde, salut Ludivine, d'ailleurs bonjour les nouveaux venus évidemment. Alors je me réjouis particulièrement du format de ce live et de voir si ça fonctionne. Oui, bah écoute moi aussi. Donc Margot est chez Ecolo. Voilà, quelqu'un avait déjà répondu, merci d'ailleurs. Lawixus. Donc oui, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Beshkardesh, salut. Salut Louis, salut Lucas, salut Lexir, salut Lisa. Et il y a Lawixus qui s'était rajouté plus tôt dans la journée. Donc soit il est bienvenu, merci d'arriver ici. Alors, il voit nos messages. Donc oui, je vois les messages. Donc vous en faites pas. On va clairement. Je découvre les lives de Mathéouche, mais on peut poser des questions clairement. Ben voilà, en fait, moi aussi, elle voit nos commentaires. Oui, elle les voit. Et de toute façon, je vais les lire. Donc le chat fait clairement partie du live. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathéouche Koukouka. J'ai 41 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un passé de journaliste. Je suis aussi prof, formateur. J'accompagne des personnes, des étudiants, des entreprises, des ONG à se développer sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai une mission de coordination à la RTBF qui se termine dans pas très très longtemps. J'ai lancé ce live en. Alors, on n'entend pas bien, il faudrait qu'elle augmente son micro. Ah ben ça, je peux le faire. Ah, c'est toi qui. Je peux le faire, oui. Hop. Parle un petit peu, Margot, pour le micro. Oui, donc voilà, je suis en direct de Molenbeek. Voilà, Est-ce on que vous. entend. Ok, ça va, c'est nickel. Et donc, ce que je disais, donc j'ai lancé cette chaîne en février dernier, parce que je trouvais que Twitch allait être une des plateformes de 2020. Je pense que ce sera encore plus une plateforme de 2021. Et ben voilà, je me suis lancé là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, justement, c'est qu'on a d'un côté ben, le contenu. Donc ici, ben, c'est l'interview de Margot de Ré. Et il y a le chat qui sont dans le même écran. Ce qui veut dire que ce n'est pas une discussion entre soi avec l'une et l'autre personne, c'est une discussion avec le chat. Et clairement, mon but, c'est que les gens posent des questions. Alors, hop, salut, merci José pour ce 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup José. Et l'idée étant justement que je reprenne vos questions. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais parfois sauter votre question, je vais peut-être la reprendre plus tard. C'est-à-dire que j'ai plus ou moins une conduite dans ma tête, et si je vois qu'il y a des questions qui vont coller avec ce que je vais raconter après, voilà, j'essaye que ce soit. Alors, Twitch, c'est toujours un peu décousu, mais si on peut un peu mettre d'ordre, on essaye quand même. Et donc voilà. Et donc, de quoi je parle ici? Je parle de réseaux sociaux, d'Internet et d'actualité. Et donc l'idée c'est de décrypter. Donc voilà, je fais des interviews politiques et ce que j'ai fait aussi, c'est faire des lives sur des lancements de fusées. Donc c'est aussi donner des rendez-vous là où on est plutôt dans le décryptage ensemble. Et parfois c'est, tiens, les choses qu'on regarderait tout seul chez soi à la télé. Et ben l'idée c'est de regarder ensemble sur Twitch et commenter et se marrer. Et puis voilà. Alors, je reprends le chat. Nana. Margot est sur son 31, comme toujours.
Quand on habite Liège, on est toujours sur, enfin, on vient de Liège, on n'habite pas Liège, on est toujours sur 131. Alors, le live durera combien de temps? En fait, en général, ça dure en moyenne 1 heure et demie. On voit s'il n'y a pas de questions, ça peut se terminer plus tôt. Et j'ai une fois à minuit, mon invité m'a dit, si tu veux, on continue entre nous. C'est mon invité. Je dis, non, ça va aller. Et voilà, il y avait une discussion dans le chat et l'invité, c'était parti. Et je faisais quasi plus que passer les plats à dire les commentaires. Et voilà, donc Excellent. un des gros avantages de Twitch ici, c'est qu'on n'est pas en télé, il n'y a pas une émission après, donc et on n'a pas non plus d'obligation. Donc si au bout d'une heure, on se dit que c'est fini parce qu'il n'y a plus rien à dire et que c'était très intéressant, puis voilà, on peut en rester là. Donc on fait. Voilà, alors Ask en tant que nanan. Ludivine, je prendrai ta question plus tard. Donc on parlera de Mathieu Michel à un moment ou à un autre. Margot, ben en fait, donc moi, voilà, j'ai fini toutes les présentations, mais donc je veux faire cette série sur les politiques et les internets. Je commence par toi, puisque tu es hyper active dans tout, et que donc tu es, comme tu as dit, député au Parlement bruxellois, tu es député à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça. Et alors aussi, ce qui est intéressant, on va peut-être commencer par ça, même si c'est pas vraiment Internet. Alors oui, voilà. Est-ce que écolo compte changer d'avis sur le nucléaire? En fait, la question, c'est une question qui est légitime, mais je pense pas qu'on va la poser aujourd'hui, parce que sinon, on peut poser des questions sur tout et sur n'importe quoi. Donc, on va essayer de réduire à ce à quoi on parle de la chaîne. Donc, voilà. Sinon, on peut parler de tout, on peut parler de Trump, on peut parler de la politique à Hong Kong, enfin, on peut parler de plein de trucs. Ça m'intéresse aussi, mais je pense déjà que si on arrive à faire à raconter tout ce que je veux, voilà. Mais je ne dis pas que c'est une mauvaise question. Je dis que ce ne sera pas pour aujourd'hui. C'est Donc. normal, l'engouement aussi, c'est la première fois, tu vois. Donc, Ouais. tout le monde va peut-être avoir plein de questions dans tous les sens, mais c'est cool aussi. Ben, alors moi d'abord je vais poser une question sur toi. Tu es devenue présidente de la commission d'égalité des chances et des droits des femmes, la première présidente puisque cette commission n'existait pas avant. D'abord présente-nous un petit peu cette commission. Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc, je ne sais pas le niveau de connaissance du système politique de ceux et celles qui nous regardent, mais en très résumé, pour faire simple, dans un parlement, il y a un certain nombre de députés, et puis les députés vont se regrouper en plus petits groupes pour traiter de certaines thématiques. Et par exemple, il y a à Bruxelles une commission qui traite de mobilité, il y a une commission qui traite d'économie et d'emploi, il y a une commission qui traite d'urbanisme, d'infrastructure, etc. Et en tout, on avait plus ou moins une dizaine de petits groupes de travail, on va dire, réduits. Et il n'y avait aucun groupe, donc aucune commission qui ne traitait de questions d'égalité des chances et de droits des femmes. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces dernières années, on a vu que c'est quand même des questions qui ont pris de plus en plus de place dans le débat de société et que du coup, ça vaudrait peut-être la peine. C'était notre réflexion à l'époque, il y a un an, de se dire, bah, en fait, on va réunir plusieurs députés de plusieurs partis, majorité et opposition, pour réfléchir à ces questions-là et faire avancer les choses au niveau de la région. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer la commission. Et donc, en gros, dans la commission, vous avez entre un et trois représentants de chaque parti politique bruxellois. Donc, vous avez le MR, vous avez le PS, vous avez Colo, vous avez le CDH, vous avez les partis néerlandophones aussi, Groen, SPA, etc. Et donc, on se réunit plus ou moins une fois par 2 semaines, et on va poser des questions aux ministres pour savoir quelles sont leurs actions dans les matières égalité des chances et droits des femmes. On va aussi faire des auditions, inviter des associations à venir nous expliquer leur travail. Et puis, du coup, on va pouvoir faire du travail qu'on dit législatif, ça veut dire vraiment. Allez, je symbolise un peu, mais on va vraiment rédiger des textes de loi, des textes, des décrets, ce genre de choses qu'on va pouvoir après proposer à tout le reste des députés et voter ça au final au Parlement. Donc tu vois un peu la façon que ça a de fonctionner et notre raisonnement, c'était qu'on avait envie aussi de pouvoir faire des textes de loi en fait, parce que c'est bien beau de discuter des questions d'égalité, mais c'est aussi important que ça aboutisse à des vraies décisions, à des vrais changements dans la vie des gens. Donc moi je vois très bien comment ça fonctionne. Je suis allé souvent en commission quand j'étais journaliste. D'ailleurs j'étais un des rares journalistes
à venir en commission à Bruxelles. Et Louis, on peut être, même tu peux ne pas aimer les Flamands, mais j'aimerais bien qu'on reste bienveillant. Et donc voilà, le genre de commentaire que tu as mis, je trouve qu'il n'a pas sa place ici. Et donc voilà, la prochaine fois je l'effacerai. Voilà, soyons tout de suite bien clair. Donc, j'avais une première question d'abord. Donc, cette commission, elle a été créée maintenant. Est-ce que c'est quelque part une commission pour la victoire d'écolo? C'est-à-dire, est-ce que c'est finalement un premier gain? Tu vois, est-ce que c'est finalement dans l'accord de majorité, c'était un truc qu'on donnait à écolo? Parce que clairement, écolo, c'est le parti. Où on voit qu'il y a eu le plus de votes féminins, en tout cas de la coalition. Est-ce que c'est une forme de rétribution? Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc en fait, la répartition des sièges et pourquoi c'est revenu à une écologiste et pas à quelqu'un d'autre, c'est Non, purement... non, non, je parle pas de la présidence. Je parle de cette création. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire, je ne dis pas que le travail va être symbolique, mais le fait oui. de commencer une législature et de directement créer cette commission d'égalité de chance et des droits des femmes, mais clairement pour Écolo, c'est une marque. C'est dire, voilà, on est dans ce gouvernement bruxellois. Et regardez, c'est vraiment en tout cas le parti qui a le plus promu pardon, les idées féministes pendant la campagne. Je ne dis pas du tout que les autres partis ne l'ont pas fait. Hein. Je dis que Écolo l'a fait. Est-ce que c'est justement une espèce de premier trophée pour Écolo? Ben, en tout cas, oui, c'est un des trucs sur lequel, en fait, à l'usage, quand on est arrivé au Parlement, ça fait un peu théâtral de le dire comme ça, mais quand on a commencé à prendre respectivement nos fonctions, que moi, on m'a assigné au dossier égalité des chances et droits des femmes, je me suis dit tout de suite que c'était nécessaire et utile, mais très vite, les autres partis aussi ont trouvé que c'était intéressant et important. Donc, c'est un peu la façon qu'on a travaillé dans notre commission, c'est qu'on avance très fort avec beaucoup de choses qui sont consensuelles, qui sont partagées par tous les membres de la commission. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, on n'est pas d'accord sur certaines mécaniques ou certains sujets un peu plus précis, mais sinon, globalement, je crois qu'il y a quand même une conscience de plus en plus grande de l'importance de ces sujets-là. Et donc, moi, je crois qu'un Parlement, c'est pas une institution figée, un truc tout poussiéreux qui est genre ancré dans le marbre et ça doit pouvoir évoluer. Et peut-être que, je sais pas, dans 30 ans, il y aura de nouvelles questions dans la société qui vont émerger et qui prendre leur place dans les commissions. Par exemple, je suis pas sûre que il y a 30 ans, il y avait des commissions numériques. À mon avis, non. Or, maintenant, c'est une compétence à part entière à la région, par exemple. Oui, bien sûr. Ok. Alors attends, je reprends un peu le chat pour pas le perdre. Donc il y a des gens qui demandent ton retour sur Twitter, mais je te dis, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on me dit que je ne suis pas très sympa avec Philippe Carlo et ni Mathieu Collègue. Attends, j'ai dit. Il y a des journalistes qui nous regardent là. Oui, d'accord, j'ai dit un des seuls, j'ai pas dit que j'étais le seul. De toute façon, s'il y a des journalistes bruxellois qui sont là, Jean Van Driess, qui est toujours là, qui est vraiment notre père à tous du journalisme bruxellois, donc non, non. Mais bon, voilà, on était le plus que j'ai vu de personnes, c'est 5-6, quoi. Donc on est bon. Ou alors 15 quand il y a vraiment un gros truc, quoi. Mais donc soyons. Alors, le cyberharcèlement, donc ça, je le garde pour tout à l'heure. Voilà, et donc, Raphaël, merci pour ton abonnement. Merci beaucoup. Alors, la qualité des câbles, c'est des caméras. Toi, c'est quoi la caméra? Ton ordi? Moi, c'est une caméra qui se trouve devant moi. Oui, monsieur Belga, Jean Van Driess. Oui. Donc, voilà, cette commission, justement, avant qu'on aille vers plus tout ce qui est web, cette commission, justement, tu disais que les choses sont assez consensuelles. C'est vrai que tu as des commissions où ça se bagarre très, très fort. Donc ici, quelque part, j'entends que les partis sont quand même plus ou moins à l'unisson sur la plupart des dossiers. Oui, franchement, je trouve qu'il y a une dynamique qui est positive et qui est en fait générale, je crois, aussi dans la société. Allez, on commence à se rendre compte qu'on a beaucoup à gagner, toutes et tous, en fait, à avoir des politiques d'égalité des chances et de droits des femmes qui sont bien. Parce que
Je prends toujours l'exemple de base, mais en gros, quand tu mets des choses en place pour que, par exemple, les rues soient plus accueillantes, parce qu'on sait que les femmes sont victimes de harcèlement en rue, en particulier la nuit, mais en fait, ça les rend plus accueillantes pour tout le monde. Et bien, genre, même mon voisin qui va promener son chien, bah, du coup, c'est plus chouette aussi pour lui, quoi. Donc, je crois que ça, tout le monde est aligné sur l'horizon, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, sur certains sujets plus liés à l'inclusion, tu vois, où chez Écolo, on a une vision où on se dit, ben, voilà, on veut de l'égalité des genres, mais on va faire attention, par exemple, au fait que certaines femmes ont subissent plusieurs discriminations, par exemple parce qu'elles sont en situation de handicap, ce genre de choses. Nous, c'est une logique fort ancrée en nous, mais qui est un réflexe qui n'est pas encore toujours partagé par tout le monde. Et voilà, donc ça, c'est le sujet sur lequel des fois, ça chipote un peu, mais au final, on avance, on a fait des trucs déjà très concrets en un an. Déjà, ben, tout ce qui est suivi parlementaire de l'action des ministres, il y a tout un plan sur les violences faites aux femmes qui a été validé, qui est maintenant mis en œuvre progressivement et sur lequel, évidemment, les parlementaires interviennent. On a mis en place un système d'alerte pour les violences intrafamiliales. Donc, genre, citer, par exemple, un jeune qui a dû, pendant le confinement, retourner chez ses parents tout à coup. Et en fait, pas de chance, la personne est homosexuelle et dans sa famille, c'est très, très mal reçu. Et donc, elle est vraiment en mauvaise situation en étant chez elle et en mauvaise posture. Et ben, si elle est victime de violence, elle peut aller signaler, par exemple, son cas dans une pharmacie. Et donc, ça, c'est les projets assez concrets qu'on essaye de lancer depuis les bancs du Parlement pour que ça atterrisse dans la réalité des gens, quoi. On a une question. En tant que présidente, c'est quoi ton rôle au sein de la commission? Ah, alors, Parce que en président. plus, et je vais ajouter, tu es devenue présidente de commission alors que tu débarquais toute fraîche émoulue d'en dehors de la politique quasi. Enfin, tu travaillais déjà chez Écolo avant, mais en tout cas, tu n'avais même jamais été conseillère communale ni quoi que ce soit. Voilà. Non, rien du tout. Et donc, c'est toujours un monde qui m'est un peu étranger, hein. Il ne faut pas se mentir non plus. Ce n'est pas en un an qu'on a tout compris. Mais donc, il faut savoir que le Parlement, c'est un truc très codifié comme ça. Déjà, en termes d'allure, je sais pas, même de design intérieur, voilà, c'est un endroit où tous l'hémicycle, comme on l'appelle, donc la grande salle où tous les députés sont, a une certaine organisation, ça ne bouge pas, on doit s'asseoir toujours à la même place, enfin, tout est très codifié, et même les prises de parole sont hyper codifiées. Donc en tant que présidente, on est bah, sur une sorte de petite estrade comme ça, et on va diriger en fait les débats. Donc c'est vraiment un peu ce que tu fais ici avec moi, Mathieu, mais imagine que tu as 80 personnes devant toi. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de donner la parole, de faire passer, de faire voter les gens, de faire discuter les gens et débattre sereinement. Ce qui n'est pas toujours évident, en fait, déjà quand on ne maîtrise pas tout encore les codes, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, il y a des temps de parole en fonction du type de question qui est posée et amenée, etc. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut apprendre, ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un petit côté un peu d'autorité à avoir quand on fait ce type enfin, quand on a ce type de rôle, quand on préside. Et c'est vrai que bah, peut-être que moi, ça a été plus compliqué parce que les gens étaient un peu là, genre elle est très jeune, en plus c'est une fille, donc comment est-ce on doit l'appréhender? Enfin, voilà. Il faut faire preuve d'autorité d'une certaine façon dans les débats, parce que des fois c'est vrai, les gens se coupent la parole, ils s'écoutent pas, etc. Donc il faut un peu recadrer. Donc ça, c'est pas évident, mais franchement, c'est super enrichissant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une séance du Parlement. Alors peut-être pas toute une, parce que des fois, genre comme aujourd'hui, moi ça a duré 10 heures, c'était peut-être pas tout intéressant pour un citoyen et une citoyenne, mais en tout cas, jeter un œil, voir un peu comment ça se passe, voir à quel point tout est minuté, les prises de parole, le temps, l'ordre aussi dans lequel les gens interviennent, c'est assez, ouais, assez impressionnant. Alors, je vais. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de lois proposées par la Commission européenne pour le féminisme? Je ne sais pas si, à mon avis, oui, je pense qu'au niveau européen, il y a beaucoup de choses qui se font, mais j'avoue que. Pardon. Je n'ai pas la réponse ici. Oui, alors on va revenir sur le numérique après. Je regarde un peu, comme ça, on va clôturer le débat sur le. Ah oui, alors je me demandais, parce que donc tu es une de ta fibre, c'est un peu justement tout ce qui est web, tout ce qui est numérique. Est-ce que dans cette commission-là, cet aspect-là, cette corde-là, t'arrives aussi à l'utiliser ou c'est pas trop? Bah sur certains sujets, oui, style cyberharcèlement ou ouais, tout ce qui est
liés aux réseaux sociaux et autres, ça peut marcher. Il y a aussi le côté, moi, qui m'intéresse assez bien, c'est le fait que des femmes vont, par exemple, se lancer dans des carrières dans le secteur tech, des technologies, etc. Ça, c'est des sujets qui m'intéresse assez bien, on va dire, et donc j'aime encore bien revenir sur ces questions. Voilà, par exemple, dernièrement, j'ai interrogé un ministre sur les femmes dans la cybersécurité, parce qu'il y a une étude en France qui est sortie qui montrait qu'il n'y avait que 5% de femmes dans le secteur, et donc je me demandais pour la Belgique et pour Bruxelles, parce que c'est quand même un secteur qui est assez prometteur, donc on se dit, mais c'est con, s'il y a une partie de gens qui ne sont pas forcément encouragés à y aller, alors que c'est, allez, c'est des chouettes métiers. Et donc, tu vois, ça, c'est des sujets que j'arrive à ramener. Donc, j'aime bien faire le lien entre les trucs, quoi. C'est vrai que, ouais, dans mes sujets de prédilection, c'est plus souvent des sujets liés à la technologie, au numérique, etc., que des trucs que je connais moins, plus éloignés. Voilà. Je rappelle que Margot a créé une entreprise qui est active dans tout ce qui est web. Donc tu es une chef d'entreprise en fait. Tu as toujours cette entreprise ou comment ça se passe d'ailleurs? Je ne sais pas très bien quel est ton statut à ce niveau-là. Donc en fait, il faut savoir que il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. Mais donc quand tu deviens député, en fait, tu as un statut, plus ou moins un statut d'indépendant. Je simplifie en rien, mais comme ça, tout le monde comprend. Et donc, tu n'es pas du tout obligé d'arrêter tes activités, toutes tes autres activités. Ça dépend en fait des activités que tu exerçais. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'aussi chez Ecolo, il y a des règles très, très strictes par contre en la matière, c'est de me retirer de mon mandat donc d'administratrice de ma société en devenant associée passive, comme on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû publier au moniteur le fait que j'étais plus rémunérée, que je n'étais plus, j'étais, prenais plus part aux décisions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je me suis dit que c'était une façon de mettre ma carrière d'indépendante en pause, parce que en fait, si je sors, si j'abandonne ma société maintenant, bah, ça veut dire que quand j'ai fini mon mandat dans 4 ans, je ne peux pas y retourner, a priori, puisque j'aurais rendu mes parts et autres, et tout. Et donc voilà, moi, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas me rester, comment dire, je suis nommée dans les administratrices, mais passivement. Donc voilà, donc ça veut dire que plus tard, j'y reviendrai à ce premier amour-là, mais pour le moment, j'ai d'autres trucs, quoi. Donc, C'est ça. mais donc, en gros, il y a, par exemple, si tu es avocat, là, tu peux garder des clients, je sais, pour être sûr de ne pas perdre toute ta clientèle. Enfin, c'est un peu particulier. Et ça dépend aussi du niveau de pouvoir dans lequel tu as investi, par exemple, au niveau communal, sur des petites communes, bah, ça Oui. représente un tout petit peu de temps de travail, et donc tu peux garder un travail à la place, donc, à côté. Donc, c'est assez, ouais, assez compliqué. Je découvre aussi. Mais donc, moi, sinon, moi, je suis à 100% sur mon job de député. Voilà, Ça. mais ce que je voulais dire, c'est que tu as la fibre entrepreneuriale. Donc voilà, tu es une entrepreneur qui après a travaillé avec Ecolo et qui maintenant est devenue députée bruxelloise à la Confédération Wallonie-Bruxelles. Ça. Salut Salf, merci pour ton abonnement. Alors, on va ici, il y a quelqu'un qui dit, je me rappelle une interview de nouveaux élus députés bruxellois en début de législature qui, semble-t-il, était complètement ahuri de la lourdeur des procédures parlementaires, c'est vrai. Oui, c'est sûr, voilà. Au départ, il faut s'habituer. Et après, il dit, il y a aussi une autre question, et ça, je ne sais pas si c'est vraiment le débat aujourd'hui, mais la durée totale des vacances parlementaires sur une année est interpellante aussi. C'est sûr que quand tu vois que le... Et encore, ce n'est pas à Bruxelles que c'est le pire. Hein. En fait, ça a été raccourci. Maintenant, les vacances parlementaires, ça se finit le 21 juillet à la fête nationale et on reprend, je ne saurais plus dire, je crois que c'est le 15 septembre, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est au fédéral qu'ils reprennent un mois plus tard. Oui, c'est ça. Et avant que je sois là, du coup, c'était beaucoup plus tard aussi. Voilà. Ça, c'est ça. Alors, l'égalité des femmes, ça va un peu à l'encontre des valeurs intrinsèques de certains partis. Comment les membres de la commission s'en sortent-ils sans devenir schizophrènes? Demande Ludivine. Alors, il y a certains partis, je ne vais pas le cacher, qui ne viennent pas, dont un parti d'extrême droite flamande, voilà. Donc ça, c'est l'exemple un peu extrême. Et puis, il y en a d'autres, je crois, qui en effet, pour qui, enfin, parfois le parti en question fait pas des gros efforts sur la question, mais les députés eux-mêmes sont plutôt motivés. Et donc, je pense qu'ils essaient aussi d'insuffler des trucs, allez, grâce à leurs propres convictions, quoi. Donc voilà, je crois que ça fait un peu bouger les lignes aussi, hein, j'espère en tout cas, à l'intérieur des partis, de voir qu'il y a des commissions qui se créent, qu'on parle de ces sujets-là et tout, que ça bouge. Mais moi, je suis pas mal de politique sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce que vous faites dans cette commission, en général, et on voit bien même des gens de l'opposition mettent en avant ce que vous faites. Donc, ce qui veut dire que
Il y a des femmes dans les autres partis qui sont très contentes que dans l'opposition qu'il y ait cette commission. Voilà, donc on va, s'il y a encore des choses sur le nom, voilà, comme ça, voilà, on présente comme c'était, c'est une particularité chez toi. Et donc on va un peu, on va aller, moi, dans cette chaîne, d'ailleurs, il faut savoir que je suis une formation cette année pour une formation d'éducation aux médias, pour devenir coach en éducation aux médias. Et donc clairement, toi, tu promeus l'éducation aux médias contre justement le cyberharcèlement, la cyberhaine. Et donc, voilà, moi, c'est une thématique qui est très importante pour moi. Dans les années 2000, dans les années 2000, je suis allé à une conférence de presse de Maria Arena à l'époque où elle était ministre de l'enseignement. Donc, ça date. Ça a presque 15 ans, je pense. Et déjà, à l'époque, je sais plus ce que j'avais posé comme question, mais je suis sorti là en me disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait pour apprendre aux jeunes à utiliser Internet et un ordinateur, on fait pas grand-chose. Et depuis, j'essaye toujours de taper sur le clou. Et donc, moi, mon postulat, je l'ai déjà dit ici, c'est éducation aux médias à partir de la première secondaire. Voilà, ça c'est mon. Comme ça aussi, les gens savent où ils sont. Mais donc, c'est vrai que ces dernières années, sur les réseaux sociaux, on parle souvent plus de cyberharcèlement, de cyberhaine, de beaucoup de choses que des choses positives. Même si, en plus, dans l'absolu, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives sur les réseaux sociaux. Mais le harcèlement prend beaucoup de place. Et donc clairement, une des raisons, c'est qu'il n'y a pas justement de, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'explication. Et donc, qu'est-ce que justement, au niveau politique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire justement, tu parles d'éducation média, mais c'est quoi les propositions en fait à ce niveau-là? Mais moi, il y a juste sur la notion même, attention, je suis la politicienne qui va revenir sur un détail, mais un truc qui à chaque fois m'interpelle, parce qu'on parle souvent évidemment d'éducation aux médias au Parlement, c'est en fait un peu cette idée que, allez, parce que les jeunes sont jeunes, déjà, question d'âge, et parce qu'ils ont tous un smartphone dans leur poche, en fait, les nouveaux médias, ils connaissent, ils comprennent, le numérique, c'est leur Oui, truc. tout à fait. Ça, c'est Alors, vraiment un truc. on se rejoint à 100%. Une des Ouais. pires phrases qu'on dit aux jeunes, c'est « Vous êtes né avec, vous savez Voilà. ». Et en fait, C'est personne n'est né avec. Enfin, je veux dire, si on est né avec, mais je veux dire, personne n'est né avec la connaissance d'emblée des enjeux du numérique, etc. quoi. Ça, c'est une chose. Et donc, du coup, on confond tout le temps l'accès à du matériel. C'est un peu ce qu'on a vu, par exemple, avec le confinement. Donc, c'est en effet, moi, je trouve que c'est hyper positif. On a équipé énormément d'écoles de matériel informatique. On a équipé des familles aussi où ils pouvaient aller demander, par exemple, de l'aide dans des CPS pour avoir une petite intervention sur du matériel si jamais les enfants n'avaient pas les moyens de suivre les cours à distance. Mais ce qu'on fait très peu et qui a encouragé, c'est accompagner en fait les jeunes et les gens de façon générale dans leur utilisation de ces outils-là, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'outil pour que ça résolve tout. Ça, c'est un truc. Moi, je crois que il faut arriver, et c'est pas non plus, c'est pas, ça semble peut-être un peu pas très concret quand je le dis comme ça, hein, mais à apprendre aux jeunes à se servir de ces outils pour qu'ils en tirent profit, en fait, tout simplement. Donc, se dire, en fait, que, je ne sais pas, moi, pour le suivi des cours, par exemple, ça peut leur servir pour trouver d'autres infos, etc. Parce que il faut, comment dire, il faut les appâter avec de l'intérêt pour eux. Parce que si tu dis à un jeune, ah, mais t'as un smartphone, mais tu ne sais pas t'en servir, en fait, il y a plein de trucs que tu ne comprends pas. Tu sais, il y a la question des données privées, il y a la question de ceci, cela. Il va être là, genre, en fait, je m'en fous. Alors que si tu prends des exemples très concrets et que dans les écoles, on te sensibilise au fait que, je ne sais pas, moi, par exemple, tu es saoulé parce que tu reçois tout le temps des mails de publicité de 1000 trucs, etc., que tu n'as pas demandé, bah, en fait, si on t'explique que si tu as demandé parce que tu fais des concours où tu laisses ton adresse email et en fait, ton adresse email, c'est une donnée privée et elle a une valeur et tout, bah, tu vois, le genre de discours qui, là, plutôt, peut devenir concret dans la vie dans la vie des jeunes, je trouve qu'il est intéressant. Et en fait, Je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi. Et donc, on a équipé des jeunes avec du matériel à qui on n'a pas expliqué. Et il y a eu la même chose. On a mis tous les profs sur Teams. Et il y en a beaucoup à qui on n'a rien expliqué. Et on est là. Donc, il y a toujours des écoles où c'est la catastrophe dans certains cours parce que les profs ne s'en sortent pas, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Et donc, on est dans cette même, en tout cas, dans cette même dynamique. Alors, attends, parce que j'avais raté deux ou trois trucs tout à l'heure et avant que je les oublie, je les oublie. Alors, une question pratique. Est-ce que donc tu peux voter dans ta commission ou pas? Voilà, ok, donc. tu dois être neutre quand tu présides. Donc tu peux pas prendre, t'es une présidente, t'es pas C'est ça. membre.
Mais par contre, je dois quand même voter à la fin des discussions. Ça reste une voix pour écolo, quoi. Ok. Donc voilà. Les gens, ils sont forts dans les détails, les trucs, c'est Ouais. cool. Je sais pas que ça intéressait, en fait. Alors, je vais garder la question de Tanguy pour après, qui est intéressante. Hop, hop, hop. Alors, donc ça c'est là. Il y a des fois, on a l'impression de show quand même entre les commissions et les séances, dans le sens où pas sûr que les gens écoutent toujours. Alors oui, en fait, on n'écoute pas toujours tout parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont parfois très techniques. Et tu sais que dans ton parti, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça et toi, tu gères autre chose. Et donc, c'est sûr que quand on regarde, parfois, les gens n'ont pas l'air d'être là. Parfois, en plus, ils sont pas vraiment là, mais ils sont ailleurs et ils discutent. Et donc, oui, c'est une espèce de balle. Et donc oui, en fait, parfois, et t'as des gens qui restent assis pendant des heures et on croit qu'ils sont là, mais en fait, ils foutent rien, mais ils sont assis. Donc il faut, voilà. Alors après, il y a des gens qui sont pas là et qui foutent vraiment rien. Donc ça aussi, c'est vrai. C'est Mais dans les... maintenant, il y a des sanctions, hein. Quand tu viens pas et que tu votes pas, etc. Maintenant, c'est comptabilisé. Il y a des sanctions sur les Oui, salaires. mais il y a des gens, ils viennent, ils savent, ils viennent pour voter. C'était ce Ouais. parlement qui se remplit 15 minutes avant les votes. Ça, par exemple, c'est un truc qui m'a toujours fait mal. Et voilà. Super. Le Parlement bruxellois, moi, tu pourrais jeter la moitié des gens dehors, on ne verrait pas de différence au niveau du travail parlementaire. Ça a toujours été vrai et ça n'a pas beaucoup changé. Alors, donc il y a des questions sur les CETA, oh, ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que j'ai reçu. Pourquoi j'ai reçu un abonnement? Qui c'est qui a reçu un abonnement? Je ne sais pas. Tanguy. Salut, Guico, sois le bienvenu. Alors oui, ça il y aura plus tard. On a donc le Fairphone qui arrive dans le chat, mais en mode on pourra en parler. Donc tout ce qui est Twitter, voilà, tout ce qu'on donc je vais le dire maintenant. Donc Margot a quitté Twitter il y a quelques mois suite à il y a eu quand même pas mal de bashing et de harcèlement. L'idée, c'est pas que ça devienne un thème central du live, mais on va en parler à la fin. Donc, voilà, ceux qui ne sont intéressés que par ça, revenez dans 35 minutes, 40 minutes. Mais on en parlera. Mais donc, ça ne sert à rien non plus d'envoyer plein de questions maintenant. Mais voilà, on évitera pas le sujet. Donc, on pourra parler du Fairphone, de plein de trucs, tout ce que vous voulez. Mais voilà, mais pas tout de suite. Alors, il y a encore une question député. Est-ce que le boulot de député est un boulot à temps plein ou beaucoup plus? Mais donc, il y a déjà un début de réponse. Et combien de personnes composent ton équipe? D'ailleurs, est-ce que tu as une équipe ou chez Écolo, c'est plutôt on a une équipe à plusieurs, hein, c'est ça? Ouais, chez Écolo, on met ensemble toutes les ressources auxquelles on a droit au niveau du groupe Écolo, comme on est 15 députés, et donc on a des conseillers sur un peu toutes les matières. Donc, après, il y a des personnes qui, du coup, parce qu'elles travaillent sur mes matières, travaillent davantage avec moi. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec la conseillère en numérique, qui d'ailleurs est en train de nous regarder, je pense. Donc, coucou. Et alors, la conseillère sur les matières égalité des chances et droits des femmes, ça, c'est en effet. Mais des fois, si tout à coup, il y a un dossier mobilité qui arrive, bah, je vais travailler avec la personne sur mobilité. Etc., quoi. Mais c'est vrai que dans les autres partis, c'est plutôt un député, un conseiller, et ils sont toujours ensemble, quoi. Alors que nous, on a un peu ce côté un peu boy scout comme ça, où on collectivise les moyens et tout. Alors, donc c'est ça, Aquel qui disait si ma mémoire est bonne, la rentrée parlementaire se faisait encore plus tard. Oui, donc ça c'est vrai. Alors, pom pom pom, qu'est-ce qu'il y a ici? Hop hop, à vous. Ah oui, à vous c'était pour utiliser la douche. Oui, mais on pourrait faire un débat sur cette douche de Maria Arena et du fait que ce soit arrivé à une femme. En fait, cette histoire de douche, les médias ont hystérisé, et je parle justement bien justement de l'inverse, cette histoire de douche. Il y avait des hommes à l'époque qui ont dépensé beaucoup plus d'argent qu'elle pour refaire des trucs dans les cabinets. On n'a même jamais été voir ça. Et ça l'a poursuivi pendant des années. Alors que quand on regarde comment sont traitées les femmes, même par les médias, même si ça va mieux maintenant, mais et que tu as des hommes politiques, des hommes qui ont été dans l'affaire Agusta, tu as des types qui ont été condamnés, qui ont été déchus de leurs droits quand ils sont revenus presque en héros. Enfin voilà. Alors que Arenac, hein, je pense qu'elle expliquait que 10 ans après, il y a encore des gens qui l'insultaient pour les histoires de douche dans la rue, quoi. Enfin, c'est vraiment fou. Donc voilà, hop, je ferme la parenthèse. Coucou à tous, je viens d'arriver.
Oh, Cécile Duflot, oui, Cécile Duflot, c'est prévu aussi. Ça fera partie, ce sera dans le même paquet de harcèlement tout à l'heure et femmes politiques. Alors, les jeunes, c'est même l'inverse, ils comprennent de moins en moins car on pense qu'ils maîtrisent et donc ils ne sont pas correctement formés. Ah, oui, mais moi je le dis souvent à mes étudiants en début d'année, je dis qu'ils sont nuls. Pour un peu les choquer, et en fait, je leur dis, en fait, la plupart des outils, vous ne savez pas utiliser, même un mail. Quand tu demandes à un jeune de 18 ans comment on utilise un mail, et tu vois qu'au-delà d'envoyer un mail, de recevoir un mail, le nombre, tu poses des bêtes questions. Et après, c'est pas un reproche. À 18 ans, tu n'es pas obligé d'être le roi du mail. Mais pour tout le monde, un jeune, ça sait utiliser les mails et autres. Alors que pour moi, on devrait l'apprendre en primaire. Pour moi, quand tu sors du primaire, tu dois savoir utiliser Google, enfin un moteur de recherche, le mail, tu dois savoir utiliser un correcteur orthographique, un outil, un site de traduction, plein de choses. Parce qu'en fait, c'est des choses qui s'apprennent. Et ce qui est aussi important, c'est parce qu'on parle d'éducation média pour les jeunes, mais moi, si on m'écoutait, on ferait de l'éducation média à toute la population. Les pires, c'est quand même. Je pense que les pires, c'est ceux qui ont entre 40 et 50. Ceux qui pensent qu'ils savent vraiment et qui font des trucs complètement dingues et qui, eux, par contre, n'ont jamais eu de prof, n'ont jamais eu de cours, n'ont jamais rien eu, ils n'ont pas de surmoi un peu réseaux sociaux. Donc voilà, l'info numérique devient dangereux, notamment avec le manque d'impartialité de certains journalistes. Oui, c'est une position. Moi, j'ai un Chromebook pour l'école, ça pue sa mère. On va faire des reviews de matériel informatique. Ah, salut Thomas. Thomas Hermine est parmi nous. Merci pour le follow. Alors, on est entouré de livres. On ne sait pas lire pour autant. Je pense que l'éducation au réseau ou à Internet devrait commencer en primaire ou en parallèle à voilà, en parallèle à la lecture et à l'écriture. Salut Nico, sois le bienvenu. Alors, c'est faux. La plupart des profs et les élèves sont formés. Non, en fait, c'est vraiment pas vrai. Moi, j'ai donné des cours, j'ai donné des cours à des ados. En fait, on trouve toujours dans toutes les classes des élèves qui sont très très bons. Et c'est cela Ouais. qu'on met en avant. Mais le problème, c'est qu'à partir de la moitié de la classe, il y en a, ils savent plus grand-chose. Et à la fin, il y en a, ils ne savent absolument rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tas de familles où il n'y a pas d'ordinateur à la maison, par exemple. Alors, il y a des gens même, et on ne parle pas que de familles pauvres, il y a des familles riches. Mais les gens ont un smartphone et Ouais. ils n'ont pas spécialement un ordinateur. Et quand on doit gérer beaucoup de choses, aller plus vers du travail et d'autres trucs, en fait, on doit beaucoup plus aller vers un ordi. Et en fait, il y a beaucoup moins cet usage. Et donc, parfois, on voit des étudiants qui reçoivent un MacBook Pro quand ils arrivent à l'UNIF ou en école supérieure. Et c'est leur premier vrai ordi, parce que sinon, c'était l'ordinateur de papa sur lequel on allait, mais on n'a pas ce. Donc voilà, et c'est sûr, bon alors moi j'ai un fils, voilà, il est déjà venu ici dans le chat, lui il a un ordi ici, un ordi chez sa mère, des consoles, des trucs, voilà, lui clairement il a le temps, il apprend, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vraiment, ça doit être ancré chez la plupart des gens, c'est hyper important. Alors, je suis muni d'un Chromebook, ah oui c'est ça. Et j'ai une bref, je suis muni d'un Chromebook pour l'école et une brève formation suffit. Ouais, enfin bon, tu sais, il y a des gens, ils font informaticien, ils mettent 4 ans pour être très bons. Alors, c'est quoi ça? J'ai fait de la prison avec ces députés, je comprends pas. C'est une blague, une Ouais, private joke. j'imagine bien. Alors, il faut diffuser toutes les commissions possibles, sauf ceux du secret défense. C'est quoi? Après, les profs sont pas débiles non plus, les élèves reçoivent des formations nécessaires. Non, mais Louis, non, non, ils sont de nouveau, il y a des profs qui sont très très bons et d'autres pas, et d'autres qui n'ont jamais fait. Et en fait, Alors. dans l'école, tu as normalement des référents numériques qui doivent être nommés et qui sont les personnes vraiment de référence formées, etc. Mais ce n'est Ouais. pas encore généralisé partout, quoi. Donc ça, c'est un truc dans les pistes d'amélioration. Je veux dire, avoir un référent numérique au moins, hyper, enfin, qui a le temps en fait, de se consacrer à ça. J'ai Ouais. rencontré dans certaines écoles, ça dépend de... Un gars comme toi, quoi, tu vois, quelqu'un qui est juste intéressé, motivé. Et alors, du coup, bam, toute la responsabilité va sur lui, mais il n'a pas de temps de travail pour ça, en fait. C'est Donc ça, c'est ça. un problème aussi, quoi. Et quand il change de boulot?
au revoir, merci. C'est ça, Parce c'est que exactement ça, ça, quoi. c'est une erreur. C'est fou parce que c'est une erreur qui existe depuis les années 80. On a un référent et, qui est, et donc tu as des écoles. Ici d'ailleurs dans le chat, il y a des gens qui l'ont dit déjà précédemment. Moi dans les années 80, j'ai eu un prof super et on a fait plein de trucs. Et si ils sont avec nous dans le chat là 30, 20 ou 40 ans plus tard, c'est parce qu'ils ont eu une personne. Et en fait cette personne, si elle part de l'école, C'est eh ben, fini. l'école, elle s'écroule. Et ce qui est fou, c'est qu'on est en 2020 et il arrive toujours ce même genre de choses. Ouais, Donc ça, ouais. c'est assez problématique. Alors, tac, tac. Bon, je... Alors, tu es un boomer quand tu commences à critiquer la nouvelle génération. Du coup, tu peux avoir 30 ans et être un boomer aussi. alors, on laisse un peu la parole à Margot, c'est du manspreading. Ouais. voilà, mais donc on a avancé là-dessus. Donc on en revient de toute façon. Éducation aux médias Ouais. et cyberharcèlement. Donc en tout cas, on est d'accord sur la philosophie. Mais c'est quoi les propositions qu'Écolo fait ou que toi tu fais? Ah, tu es devenu très très grande tout d'un coup. C'est quoi, c'est le c'est truc de moi. Pigeon qui fait Oui. des... Voilà, il déconne. Je sais pas. La plupart du temps, ça marche bien et parfois, ça change un petit peu. Mais donc voilà. Quels sont les donc c'est écolo ou on va dire. Et toi, finalement, ta position et finalement. Enfin voilà. Je te laisse. Moi, il y a un truc, et à mon avis, ça va te faire rêver aussi, mais qui me tient vraiment à cœur et pour lequel il y a full association numérique, justement, qui sont assez partantes également. C'est le fait de faire de l'introduction à la logique algorithmique dès la première primaire. Donc, vraiment, sur des gamins et des gamines super jeunes, de déjà juste mettre les logiques. J'ai bien dit les logiques, hein. Je ne dis pas qu'il faut leur mettre directement un PC à 6 ans, on sait pas. Mais en tout cas, les logiques qui sont à la base de tout ce qui est logique algorithmique, comme on dit, mais donc sur le développement informatique de façon générale. Parce que rien que ça, on sait, plein d'études l'ont prouvé, ça développe d'autres intelligences, si je puis dire. Tu sais, on dit toujours que, par exemple, apprendre les langues C'est très comme les tôt, c'est... langues, voilà, ouais. Voilà, et ben ici c'est un peu la même chose. Ben, en fait, l'informatique aussi c'est une langue, je dirais, avec ses codes et ses langages, etc. Mais du coup, ben ça c'est un des trucs que moi je trouve hyper intéressant. Il y a beaucoup d'écoles de code qui commencent à proposer des initiations aux enfants. Toi, à mon avis, tu dois connaître vu ton parcours, mais où par exemple tu vas apprendre à coder des mini-robots qui vont faire des petits déplacements sur un petit Oui, tapis les codeurs avec. Dojo, on appelle ça, par Ouais, exemple. voilà. C'est super bien quoi. Et déjà, moi je trouve que déjà ce type de petites bases, petites approches, voilà, tu te familiarises avec le fait qu'en fait un objet numérique, un objet technologique, il a comment dire, il a une façon de fonctionner, il a tout un univers qui fait en sorte qu'il fonctionne d'une telle façon ou d'une autre. Et ça, déjà ça, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'après, quand tu es confronté à d'autres objets technologiques, ben, tu vas repenser au petit robot que tu as pu piloter en primaire quand tu avais 6 ans et tu vas faire aussi des liens dans ta tête en te disant, bah oui, ce truc fonctionne et il y a des choses derrière, même si on n'est pas obligé de tout comprendre. Donc ça, c'est un truc que je trouve qui est vraiment super intéressant. Évidemment, la formation, bah, on l'a dit, hein, mais la formation des enseignants, donc ne plus faire en sorte que le numérique repose sur le bon vouloir ou la gentillesse d'une ou deux personnes d'un établissement, mais qu'il y ait des référents numériques qui soient formés, qui puissent aider les autres profs à s'en sortir, au fait, finalement, aussi, faire aller des petites formations, etc. Ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Puis alors, ouais, on a beaucoup, enfin, beaucoup de gens dans le chat ont parlé de cyberharcèlement, mais ça aussi, c'est, je veux dire, un peu le dark side du numérique, mais c'est aussi pouvoir appréhender ces questions-là, quoi. Se dire, OK, ah, le numérique, c'est cool, il y a les réseaux sociaux, on peut exprimer plein de trucs, on peut échanger avec ses potes, c'est vraiment bien. Et puis, attention, il y a quand même des règles. Moi, je prends toujours la métaphore du vélo, mais si tu donnes à quelqu'un un vélo, tu lui expliques comment on roule, et puis que son premier trajet, c'est Bruxelles-Ostende par tous les grands axes, il va jamais y arriver, il connaît pas le code de la route. Bah, c'est la même chose. Si d'un coup, à, je sais pas, 14 ans, tu ouvres un compte sur Insta ou sur Snap ou quoi, et que
Voilà, tu as l'impression que tout est possible, qu'on peut tout faire et tout dire, bah forcément ça risque de te poser problème plus tard parce que tu pourrais enfin voilà, être soit victime de comportements violents, soit toi-même en provoquer. Donc je crois qu'il faut vraiment apprendre le code de la route, pour le dire comme ça, du numérique à tout le monde assez tôt. Et donc ça s'apprend ouais, dans le cadre de l'école. Je suis pas fan des solutions où on fait reposer ça sur de l'externe parce que je crois que ça doit vraiment être intégré dans dans le cursus des jeunes, vraiment, quoi. Pas, tu sais, un peu comme ces formations qu'on a une fois par an à l'école où il y a un externe qui arrive, il va Ouais, venir par. je te coupe 2 secondes là parce qu'il y a un commentaire, Harald, qui dit au lieu de tout spécifier avec le numérique, autant faire un truc générique et leur apprendre le respect dans la vie de tous les jours que de faire des exceptions pour Internet. Alors, avant de te laisser répondre, je pense que tu as tout à fait raison, mais qu'il y a des spécificités qui sont très importantes et c'est aussi, il n'y a pas que dans l'attaque des autres et c'est aussi dans le respect de soi-même et donc il faut comprendre l'outil. Oui, Voilà. ça c'est clair que. Mais oui, c'est des valeurs de respect, etc. Mais que des fois on n'a pas non plus dans la vraie vie, en fait. C'est un peu le problème. C'est que il y a évidemment une partie de gens qui se permettent des choses parce qu'on est en ligne, allez, qui ne se permettraient pas dans la vraie vie. Parce qu'il y a ce côté je peux insulter quelqu'un, reclapper mon ordi, aller me faire un café et en fait il va rien se passer. Ça c'est sûr. Mais par contre, il y a en effet ouais, une partie de gens qui se comportent déjà pas de façon très citoyenne, disons, dans la vraie vie. Et ça, c'est évidemment toute la question de l'éducation, quoi. Après, je ne suis pas une experte en éducation vraiment pure, donc. Non, non, bien sûr, mais... Et est-ce que... Donc pour l'instant, il y a quelques propositions. Est-ce qu'il y a un projet au niveau de tout ce qui est éducation aux médias, quelque chose de plus global, donc où tu vois vraiment intercycle, c'est-à-dire primaire, secondaire, et même voire après, ou comment... où on est sur des choses qui sont peut-être plus ponctuelles pour l'instant? Non, y a des propositions que nous on a sur donc le fait d'équiper évidemment. Nous on parle souvent de ménage parce que c'est vrai que dire chaque élève, ça peut en tout cas un peu donner une impression de waouh, 300, enfin non, j'abuse, mais 300 appareils numériques par foyer, ça donne pas une image hyper écolo pour le coup. Mais en tout cas, d'équiper un maximum les foyers pour qu'il y ait des possibilités de suivre les cours facilement, ça c'est matériel. La formation qui va avec à l'école, ça me paraît déjà assez bien. Et si tu le commences tôt, eh bien en fait, tu arrives par exemple, je ne sais pas moi, plutôt au niveau des fins de primaire, début de secondaire, à pouvoir appréhender des nouvelles questions, comme la question de la formation, par exemple. Moi, je m'intéresse aussi à tout ce qui est fake news. D'ailleurs, ça m'étonne, il n'y a personne qui en a parlé jusqu'à présent. Mais c'est aussi une question d'éducation aux médias, en fait, et qui là, pour le coup, quand on voit que les plus grands diffuseurs de fake news, c'est tous des adultes avec des postes à responsabilité, hein, Monsieur Trump, on se dit qu'il y a quand même des trucs qui peuvent être faits pour un peu aller apprendre aux gens à avoir l'esprit critique par rapport à l'information qu'ils lisent sur Internet. Mais ça, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le dit, j'ai l'impression. Oui, ça fait longtemps, mais on avance. Tu as aussi... Quand on voit tout ce qu'il y a Corona pour le moment, toutes les fake news qui circulent, tu te rends compte de l'ampleur de la tâche en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a un truc aussi qui est intéressant. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un EPN. Oui, les EPN, c'est les espaces de partage... Non, merde, numérique, c'est les trucs... espaces publics numériques, c'est ça, oui. Ah, et donc c'est des espaces style un petit comment dire un petit coworking style avec un animateur ou une animatrice qui est formée aux questions numériques et alors il y en a un peu dans plusieurs quartiers ou plusieurs communes, ça dépend où vous habitez. Vous pouvez y aller, puisque par exemple, je sais pas moi, typiquement, vous devez remplir votre déclaration en ligne pour votre déclaration fiscale. Et ben, vous pouvez avoir l'aide de la personne qui est là pour le faire. Si vous avez, je sais pas moi, des recherches à faire pour un cours, vous avez un travail à préparer sur un sujet, vous pouvez aller là-bas et la personne vous aide un peu à rechercher de l'information. Mais ça, c'est aussi un truc qui est en dehors de l'école, mais qui est un espace public. Donc, c'est aussi une dynamique où on renforce les services publics avec ça et où il y a une personne qui est formée pour répondre aux questions. Ça, je trouve ça aussi assez sympa. Et ça, c'est intergénérationnel. Ça veut dire que autant mon papa qui a 70, plus de 70 ans peut y aller parce qu'il n'arrive pas à rallumer Et son oui, téléphone. et d'ailleurs en Wallonie, enfin Fédération Wallonie-Bruxelles, on est assez bien équipé, hein. Je veux dire, toutes les communes ont un EPN. Alors certains fonctionnent mieux ou moins bien. Moi j'habite à Saint-Gilles, il y a un EPN qui fonctionne très très bien. Et il y a en fait énormément de formations pour les seniors.
Et donc, Ah oui. d'ailleurs, c'est un peu étrange, mais il y a finalement c'est pas une question de faire une compétition, mais les seniors sont limite mieux servis que les plus jeunes, en fait. Il y a énormément de trucs pour le. Ah oui. Oui. Alors, je reprends un petit peu le chat là où il y a plein de gens qui posent plein de questions, donc on va essayer de. Bon, hop, hop, hop. Alors, l'histoire de la douche, tout à l'heure, on a demandé. Donc, en 2002 ou 2003, il y a eu un scandale politique autour du fait qu'une ministre ait fait des travaux dans son cabinet et qu'elle ait fait refaire une nouvelle douche. Et on l'a vraiment. On l'a traînée dans la boue comme si elle avait détourné 37 millions d'euros. Mais, enfin, voilà. C'était assez dingue. Alors. C'est peut-être pas le. Et surtout qu'à l'époque, d'autres ministres avaient fait des travaux beaucoup plus chers et dont on n'a absolument pas parlé. C'était complètement. Enfin voilà. Comme ça, mais bon, c'est une vieille histoire, mais qui pour cette femme politique, Maria Arena, a été quelque chose, un poids très lourd et qu'elle a porté pendant très très longtemps. Allez. Alors ici, donc oui, on a des questions ici que j'essaie de ne pas rater. Hop, hop, hop. Alors, on a une question pour ton site. Pourquoi le site margotdere.be n'affiche pas de message pour accepter les cookies? Ah, parce qu'il est mal fait. Je vais me plaindre de ce pas au service IT d'Ecolo qui n'a pas mis de. My bad. Moi, après, je suis pas informaticienne. Hein, donc, le site, c'est un site WordPress avec des plugins ajoutés et c'est un peu. Par contre, s'il y en a qui peuvent m'aider, je veux bien. Alors, il y a une question. Est-ce qu'après le Covid, Margot pourra inviter des gens du chat à visiter les différents parlements francophones? J'adore visiter les parlements. Voilà, Dan, il dit, j'adore visiter le Parlement fédéral à chaque fois. Eh ben, franchement, c'est quelque chose que les gens ignorent, mais en effet, les parlements sont accessibles, alors pas tout le temps, etc. Mais en tout cas, il y a des visites qui sont organisées, il y a des événements et tout. Et je trouve que c'est super important de permettre justement aux gens d'y venir. On l'a fait, nous, il y a, ben, en mars, juste avant le confinement, mais genre une semaine avant, en commission justement égalité, on a fait venir 100 femmes dans l'hémicycle et elles étaient assises à la place des députés en fait. Et les députés s'étaient toutes regroupées à quelques, ben, il y en a une dizaine dans ma commission, mais au premier rang. Et donc tout le reste des places, les 70 autres places étaient juste pour des femmes, des citoyennes bruxelloises. Et elles ont pu venir à la tribune expliquer un peu leur vécu, leurs difficultés. Certaines ont parlé d'emploi, d'autres d'éducation, etc. Et donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment le genre d'initiative qu'il faut renforcer. Hein. Quand je dis que le Parlement est pas, doit pas être un lieu poussiéreux et figé, ça veut dire aussi que ça doit pas être un lieu fermé, quoi. Il faut absolument que les gens puissent y venir. Donc franchement, ouais, s'il y a des gens qui sont intéressés de faire une visite une fois, c'est vraiment une possibilité. Et par exemple, si vous avez une association ou quoi, vous pouvez aussi demander à des députés pour avoir des rendez-vous, pour les rencontrer, présenter vos projets. C'est super important pour le travail qu'on fait. Alors, autre question. Est-ce qu'on parlera de politique et de campagne? On pourra en parler aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah oui, ben voilà. Est-ce vrai? On demandait est-ce que les commissions elles sont diffusées quelque part sur Internet ou pas? Alors, ça dépend des parlements, mais en effet, sur YouTube pour le Parlement bruxellois et la Fédération Annie Bruxelles. Et alors, sinon, de façon générale, sur le site web des parlements en question, même Parlement fédéral, européen et tout, là, vous avez des liens, vous pouvez aller écouter, regarder tous les travaux, en fait, pas juste les séances plénières où il y a tout le monde, mais C'est aussi ça, les groupes de c'est ça. travaux. Les commissions, mais donc c'est déjà fait. Donc ici on demandait si on pouvait le faire, mais en fait c'est là, il faut juste. C'est vrai, c'est pas toujours facile à trouver. Des fois, t'as que l'audio aussi, donc voilà. Alors tiens, il y a une question qui revient. Quelles sont les régions ou pays qui sont les bons élèves à suivre dans tout ce qui est éducation aux médias, au numérique? Ah, bonne question. Moi, j'ai un peu regardé ce qu'ils faisaient en France, mais c'était pas dingue. Franchement, peut-être. Ouais, les pays anglo-saxons, plutôt Pays-Bas, etc., il y a quand même un peu plus de trucs, ne fût-ce que parce que, de façon générale, ils sont mieux équipés dans les écoles. Alors, c'est déjà, voilà. Et comme toujours, les pays nordiques aussi. Les pays nordiques, ouais, c'est vrai, j'y avais même pas pensé, mais Si, oui. ils sont toujours là. Salut, Ouais. bienvenue Bruno, bienvenue Seb et bienvenue Arnaud.
Oui, clairement. En Angleterre, je ne sais pas, alors je ne sais plus où ils en sont, mais il y a quelques années, ils étaient en train de travailler. Et eux, ils voulaient carrément modifier le primaire. Et alors, ils voulaient le primaire était l'idée, c'est de diviser en 5 pôles. Et un des pôles, c'était Internet informatique. Et Ah, ça voulait dire dedans le mail, taper au clavier, utiliser des codes orthographiques, apprendre à faire des petites présentations. Donc voilà, donc une partie, mais donc un des 5 pôles qui était, c'était les matières numériques étaient là quoi. Donc voilà. Et là on est, et là c'est en primaire et c'est dans le programme. Et donc on n'est pas, comme tu le disais, pas un externe qui vient faire un atelier une fois par an pour expliquer des choses. ouais. Ça, c'est clair. Alors, question. Est-ce que donc ça j'ai demandé? Non, 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 non. On va continuer. Donc, éducation média et donc cyber-haine, cyberharcèlement. Et je trouvais très intéressant quelque chose que dont tu as parlé il n'y a pas très longtemps. C'était aussi la lutte contre le harcèlement. Et là, ce n'est pas spécialement le cyberharcèlement, mais le harcèlement en enseignement supérieur. Ouais. Pourquoi cette thématique-là précisément? Juste par affinité entre guillemets pour le monde étudiant, on va dire, parce que c'est un monde duquel que j'ai quitté il y a pas très longtemps, et j'ai des souvenirs très clairs de comment ça se passe pendant des études supérieures, c'est-à-dire que les gens ont entre disons 20 et 25 ans, et puis il y a 3000 situations différentes dans lesquelles tu peux être victime de violences de façon générale parce que, enfin, allez, je vais pas briser de secret, mais tu as des profs qui draguent des élèves, tu as des élèves qui se draguent entre eux, bon, ça c'est normal, mais certaines fois sans le consentement d'une des deux parties, tu as des soirées étudiantes où parfois avec de l'alcool, on se dit qu'on peut toucher une fille malgré le fait qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Enfin, donc tu vois, tu as quand même beaucoup dans le système de quoi, les conditions pour que ça se passe pas toujours bien, Et quoi. est-ce qu'on en parle? Parce que finalement, on parle déjà pas mal de harcèlement en secondaire et que le supérieur était un peu oublié. Moi, je crois que, mais après, peut-être que c'est moi qui ai une vision biaisée, mais je crois qu'il y a une espèce de crainte de donner une mauvaise image en fait des établissements parce que, comme si, parce que dans une classe où un certain prof a par exemple, je sais pas moi, fait du enfin. Des propos sexistes à l'égard d'une élève ou quoi, ça va ternir l'image prestigieuse des universités, etc. Moi, je pense que les établissements doivent se détacher de ça, quoi, et juste se dire, en fait, il y a des problèmes parce qu'il y en a dans la société, il y en a dans la rue, il y en a dans les médias et tout. Et donc, c'est assez logique qu'il y en ait aussi dans l'enseignement sup. Mais par contre, il faut lutter, il faut mettre des trucs en place. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, si tu es victime de harcèlement sexuel dans ton unif ou dans ta haute école, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas une personne de référence qui va pouvoir traiter cette question-là. Pourquoi? Parce que normalement, c'est censé être obligatoire, mais des fois, comme tu disais pour le numérique, la personne est partie, elle a arrêté de s'occuper de ça, ou bien en fait, ça n'a jamais été mis en place. Donc, il y a un peu aussi ce truc où chaque établissement fait un peu à sa sauce, quoi. Oui, c'est vrai que c'est toujours. Et ça, c'est partout. La sacro-sainte image de l'établissement qui va Ouais. toujours. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je reprends un petit peu le chat. Tout à l'heure, on parlait des fake news. Il y a Harald qui dit théoriquement, on vit et on apprend grâce au débat et à la contradiction. Je vois les fake news comme un refus du débat. Si elles sont fake, il suffit de les démonter plutôt que d'insulter les gens, de complotistes et les censurer. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ici, on avait fait un débat sur Hold Up. Ah oui. On avait fait un débat sur Hold Up et je trouvais qu'en tout cas, on avait réussi à avoir une discussion qui n'était pas de dire, ah, c'est tous des cons. Voilà, le postulat de départ d'Hold Up était intéressant. Bon, après, ça partait un peu dans tous les sens, mais il faut savoir entendre et savoir écouter. Bien Donc sûr. voilà, il y a Raph qui s'en va, bon live. Salut CB 1606 1997. Cool. Alors oui, alors il y a des questions sur l'Europe et tout ça. J'avais dit au départ, enfin, on pourrait poser plein de questions. On va essayer de se recentrer plus autour de tout ce qui est web. On avait parlé d'harcèlement, un peu de politique bruxelloise et tout ça. Mais voilà, il y aura peut-être d'autres occasions. On pourra parler du CETA, de la politique européenne. C'est pas une question de ne pas vouloir, c'est une question de choisir un angle pour aujourd'hui. Et je voudrais encore parler.
Et je voudrais encore parler un peu d'open data et je voudrais encore parler, il y a encore vos questions et on arrivera sur l'absence de Margot de Twitter. Donc voilà, ça va commencer déjà à faire long. Mais donc, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que voilà, j'ai fait un choix en tout cas pour aujourd'hui. Dan qui disait quelque chose qui était intéressant aussi, on a fait moins de scandales pour Moreau que pour Arena. Moreau, c'était ça le chiffre que je disais, je parlais de 37 millions dont on parle aujourd'hui dans l'écho. Voilà, on sent moins de... Il faut savoir qu'à l'époque, pour Maria Arena, il y avait... Et c'est pour ça que je parle d'hystérisation des médias, pas d'elle. On l'a présentée vraiment comme si elle avait détourné énormément d'argent, elle a juste fait des travaux. C'est peut-être un peu cher, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là, mais ici, Stéphane Moreau à Liège, moi je me demande où ça va s'arrêter, les informations, on est là. Et en fait, c'est comme un chapelet qui s'égrène, et je trouve ça complètement hallucinant, et en fait, ça passe. Voilà, les médias en parlent, mais les gens n'ont pas l'air d'être tant offusqués que ça. Et je trouve que cette remarque, justement, de dire qu'on en a fait beaucoup plus pour... Voilà, clairement. Il n'y a pas de proportionnalité entre, il n'y a pas de proportionnalité entre la faute commise, entre guillemets, et la Ouais. réaction. C'est ça le Par truc. exemple, donc c'est un autre socialiste, Yvan Mayer à Bruxelles, qui avait donc qui s'était fait payer pour des trucs pour lesquels il ne devait pas être payé. Enfin bon, la commission au Parlement a démontré qu'ils avaient détourné, je crois, 80 000 euros en 2 ans. 80 000 en 2 ans, Stéphane Moreau, il avait réussi à se faire payer 1 million par an par des intercommunales. Et on parle. Et en fait, de nouveau, quand on voit le traitement des deux, alors que Yvan Mayer fasse un pas de côté, c'est normal. Mais de l'autre côté, ça a été. Voilà, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Comment, dans certains cas. Bon, on se dit que c'est pas très grave, et dans d'autres, on dirait que c'est épidermique, on vous a arraché un enfant. Enfin voilà, ça reste, c'est quelque chose je ne m'explique pas. Tu pourrais faire des analyses hein, là-dessus avec ton côté observateur des médias et tout ce qui se fait, tu vois, un peu. Mais c'est vrai, documenter finalement certains cas comme ça serait intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est un gros, ça m'a toujours intéressé, mais c'est un gros travail, c'est un gros travail de lecture, je pense, c'est un travail presque sociologique, et en plus, moi, là, je pense pas avoir les reins assez solides. Tac, 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 une question. Est-ce possible pour les diffusions de débats publics de créer son propre canal de diffusion sans passer par YouTube ou autre? Eh bien oui, Aquel, par exemple, comme Margot l'expliquait, ben, le Parlement diffuse d'abord sur le site du Parlement. Donc tu n'as pas du tout besoin d'aller sur YouTube. C'est juste que en allant sur YouTube, tu as plus de chances d'être vu. Mais... Je crois que c'est la logique, hein, ouais. Hop, alors ici, bon, merci Skype d'arrêter de changer le. Voilà, et pour plus clair, un canal de diffusion officiel belge ou régional, oui, c'est vrai qu'il y a une chaîne parlementaire en France. Moi d'ailleurs, s'il y a une chaîne parlementaire, je vous promets que ici, on Tu va l'as faire des diffusé. lives. Et d'ailleurs, non, non, mais d'ailleurs, je ne sais pas encore quand, en 2021, je vais diffuser certaines commissions. Alors évidemment, moi, je n'ai pas tout faire. Et donc j'irai sur certaines commissions, sur des dossiers bien précis. Donc voilà. Et donc ce sera comme un sale média. J'irai vers des trucs qui font de l'audience, enfin qui intéressent les gens. Je vais pas aller des trucs où je vais regarder tout seul, quoi. Donc voilà. Mais ça fait partie du scope. Et alors aussi pour répondre à ta question, Aquel, il y a de plus en plus grâce à Ovio, la RTBF. Oh, beaucoup plus qu'avant, retransmet des débats en commun. Alors, ça n'arrive pas tout le Ouais. temps. De nouveau, c'est quand il y a des thématiques qui intéressent les gens. C'est nouveau, il n'y a pas d'intérêt à déployer des moyens. Enfin, en tout cas, pas pour l'RTBF. Ou alors, c'est peut-être pas prévu. Pourquoi pas? En fait, je suis en train de phosphorer en même temps. Ça pourrait. Ah.
Il y a certaines télés locales aussi qui le font. Par exemple, des séances du Parlement sur BX1 pour Bruxelles ou des trucs comme ça. C'est pas mal, mais ouais. Après, il y a une petite contrainte, c'est que le temps télé est chronométré de façon hyper stricte. Et le temps parlementaire, lui, par contre, il y a des fois des débats. Nous, ça peut durer 4 heures au lieu de 2. On ne sait pas le prévoir. Et donc, on a déjà eu des arrêts en cours de route de diffusion en télé, quoi. Donc, c'est Mais assez c'est pour un ça que peu par sport. exemple, OVIO, c'est pas mal, puisque eux, ils n'ont pas spécialement de besoin. Mais voilà. Mais est-ce que par exemple, ça, c'est une des, c'est en tout cas la médiatisation de justement des images parlementaires, est-ce que c'est des dossiers que toi tu pourrais porter ou tu trouves qu'on en a déjà assez fait? Enfin, je rebondis là-dessus, puisqu'il y a quand même pas mal de questions dans le chat. En fait, c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est une question qui est démocratique finalement, c'est-à-dire que au plus les débats à l'intérieur des parlements seront visibles pour les gens, seront compréhensibles et ils auront un peu ce rôle de contrôle parce qu'il faut savoir que les tribunes du parlement sont ouvertes au public et donc techniquement tu pourrais te réveiller le vendredi matin et te dire je vais aller voir la plénière du parlement. Alors tu l'as déjà fait, mais voilà, je ne crois pas que ce soit encore une priorité pour toi aujourd'hui. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y a un enjeu à rendre tout ça beaucoup plus visible. Et qu'est-ce qu'on a vu? Avec le confinement, on a été obligé de faire tous nos travaux, en partie en tout cas à distance. Et donc, toutes les techniques habituelles de commission et autres se sont digitalisées. Donc, on est passé avec des commissions où on était en partie en présence et en partie chez nous. Enfin, tu vois, tout un truc assez hybride comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que plein de commissions qui n'étaient à la base pas diffusées sur les réseaux sociaux et le web ont pu l'être. Et pour la première fois, des gens ont suivi, en fait. Et c'est pareil pour les niveaux, pour le niveau communal, le niveau local, où pour la première fois, on a fait des conseils communaux qu'on a diffusés comme ça, un peu par hasard sur YouTube. Et du coup, les gens se sont intéressés, donc ça veut dire qu'il y a une demande aussi. Et je crois qu'il faut le faire, mais aussi prévoir à terme, hein, pas à demain, mais des façons d'interagir en fait, tout simplement. Peut-être pas au moment, parce que ça demanderait peut-être un peu de modérateur comme toi pour l'aider. Mais en tout cas, pouvoir après, moi en tout cas, si ça se met en place et que ça fonctionne, j'irai lire ce que les gens ont dit, quoi. Enfin, je veux dire, ce serait tellement important et tellement riche d'avoir des retours des personnes. Nous, chez Ecolo, on a beaucoup de projets, notamment en lien avec ce qu'on appelle la démocratie, mais c'est comment on fait participer les gens aux prises de décision. À Bruxelles, à partir de 2021, au Parlement francophone bruxellois, il va y avoir un projet de commission dite mixte où il y aura à la fois des élus et à la fois des citoyens et des citoyennes qui vont pouvoir voter en fait et prendre part aux décisions. Et donc ça, je crois que ouais, il y a une petite couche un peu de modernité à mettre autour de ça en incluant des outils digitaux là-dedans, quoi. Alors, merci Raph pour ton raid. Donc, je viens de te saluer ton départ il y a 10 minutes. Et je vais lire ta réponse. C'est dans 3 heures, fail. Voilà. Mais donc, re-bienvenue Raphaël. Re-bienvenue. En tout cas, c'est chouette. Il y a beaucoup, beaucoup d'interventions. J'essaye de. Voilà, il y a des choses peut-être que je rate. Mais j'essaye de. Tac, tac, tac. Donc, ça, j'ai mis. On a tous connu au moins un prof alcoolique à l'école secondaire, jamais viré ou jamais inquiété. C'est vrai, moi, j'ai eu ça à l'IEX. On avait un prof. C'est un souvenir du prof qui n'arrivait pas à. Merci, De Van Noor, qui n'arrivait pas à prononcer les questions d'examen. Ah, oh, punaise, quoi. Et le prof à côté, je pense qu'il avait envie de le frapper. Il a dû écrire les questions sur une feuille. Mais non. Ah si, si. Ça m'a coûté une année, parce que j'ai fait un édito dans le journal de l'école où, voilà. Et ce prof m'a pété pendant 4 sessions d'affilée. Et c'est pour ça que nous, dans la proposition qu'on essaie de construire, on s'est dit que ce serait utile d'avoir une instance neutre, en fait, extérieure à l'école, qui pourrait servir de backup un peu quand justement la cellule interne liée au harcèlement fonctionne pas bien. Et donc typiquement dans le cas de ce prof-là, si au bout d'un certain temps tu te dis mais punaise l'école bouge pas, ben, tu pourrais aller porter ta plainte ailleurs dans un truc neutre qui pourrait alors Est-ce un que petit c'est... peu agiter les choses quoi pour que ça bouge. Et donc ça, c'est déjà une chose qui est en place ou c'est une chose qui pourrait être mise en place? C'est une proposition qu'on a faite. J'ai justement eu un article dans Le Soir là-dessus il y a une semaine. Donc c'est vraiment tout nouveau. Parce que justement, en plus, il y a eu
recrudescence super forte du harcèlement pendant le confinement. Et les écoles étaient complètement perturbées parce que y a des groupes, notamment Facebook, des forums et autres, qui sont mis en place pour permettre aux étudiants de collaborer. Et c'est sur ces groupes-là qu'il y avait plein de problèmes, en fait, d'insultes, de gens qui étaient irrespectueux, de... Enfin, bon, voilà. Et du coup, ouais, les écoles étaient un peu dépassées par leurs propres outils. Et donc, c'est de là, en discutant notamment avec la Fédération des étudiants francophones, qu'on s'est dit, mais en fait, ce serait bien d'avoir ouais, une instance neutre. Après, je dis pas que pour chaque dispute entre un prof et un élève, il va falloir solliciter l'organe. Mais en tout cas, pour les cas graves, comme on a vu dernièrement, de harcèlement sexuel dans les écoles d'art, des trucs comme là, ça vaut la peine, quoi. Ouais, mais donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra suivre. Tu disais, tiens, il y a une recrudescence du cyberharcèlement. Ça a été quelque part objectivé, quantifié, ou c'est plutôt une augmentation des plaintes ou des témoignages? Donc, tu as eu plein de phénomènes. Donc d'abord, je ne sais pas si tu avais vu, mais une étude qui s'est sortie sur l'utilisation qui avait augmenté du numérique, ça c'est Ouais, normal, bien réseaux sûr. sociaux, ça c'est logique. Oui, ça, on en a Twitter, parlé ici, on en a parlé dans ce live. voilà. Twitter était sorti avec ses chiffres sur augmentation des tweets racistes de 40%, 48% sur les contenus LGBTQ, J'arrive pas, j'y suis presque, je crois qu'il me manque une lettre. J'essaye par respect pour les gens de ne pas oublier de l'être, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y avait aussi tous les signalements à UNIA qui avaient été faits. Ils ont sorti un rapport en urgence un peu suite au premier confinement. Et en fait, un des trucs qui pointait, c'est beaucoup de haine et de harcèlement qui a eu lieu en début d'année 2019, en fait, se sont passés en ligne de façon assez majoritaire. Et donc, on peut imaginer que c'est la même chose ici. Moi, j'ai UNIA. Donc, UNIA, c'est le Centre pour l'égalité des chances, si tout le monde connaît. Donc, par exemple, si vous êtes victime de discrimination à l'emploi liée à votre, je sais pas, à vos convictions religieuses, à votre couleur de peau, etc., vous pouvez aller vous plaindre auprès d'UNIA et ils font le suivi. Et ils vont venir notamment au Parlement, mardi prochain, et nous montrer leur rapport de 2019, donc c'est un rapport d'il y a un an. Mais donc on parlera sûrement aussi un peu de la situation de 2020, mais on reparlera sans doute de cyberharcèlement aussi et de cyberhaine, parce que voilà, mais il faudra en tout cas se pencher sur tout ça une fois que les confinements seront terminés. Alors, merci Yann, dans le chat, il dit LGBTIQ plus, voilà, c'est le I. Intersect. Voilà, donc merci beaucoup pour le pour la précision. Voilà, c'est vrai que j'espère qu'ils vont pas quand même en rajouter trop parce que ça va devenir compliqué, mais je pense que le plus, c'est pour terminer l'appellation. Question quid d'un Internet européen pour être indépendant? Ça peut être un débat et je pense que. C'est qui a posé la question? Je pense que c'est Aral. On va en faire un live plus que de répondre aujourd'hui. Classe. Un Internet européen, ce que j'avais déjà pensé, puis j'avais oublié. Et en plus, au-delà d'un Internet européen, voilà, de parler un peu de l'Europe. Donc voilà, c'est une très bonne question, mais nouveau qu'on va pas. Alors, question un peu détente. Question super importante. Quelle est la bière préférée de Margot? Excellent. Alors, je tiens à dire que je suis d'origine italienne et que donc j'ai une hérédité qui fait que j'aime surtout le vin à la base. Voilà, désolée. Mais sinon, allez, pour un apéro, genre Théorème de l'Empereur, un truc comme ça, un peu spécial. Tu vois? Théorème de l'Empereur, c'est brasserie. Brasserie l'Ermitage, brasserie bruxelloise Canon, qui est née il y a 2 ans plus ou moins, qui se trouve juste à côté de Cantillon. Faut vraiment pas hésiter à aller chez eux. Et ils ont ouvert maintenant un premier bar à Saint-Gilles, à côté du Parvis, qui sera ouvert en 2022, après le 27e confinement. Donc voilà. Non, mais tout quoi, c'est un truc de fou. Tu peux pas faire un live aussi sur les bons plans bruxellois, apparemment. Si, si, je peux aussi faire ça. Donc Aquel, je ne sais pas, qui s'est diffusé sur l'RTBF. Alors, c'est sur le net, oui, c'est sur Ovio, donc c'est sur le site de streaming de la RTBF. Et alors, il n'y a pas de quand. C'est-à-dire qu'à certaines occasions, quand il y a un débat important, alors c'est souvent du fédéral, Ouais. mais donc quand il y a un débat important, il y a déjà eu des trucs au Parlement wallon, tout ça. Donc, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et clairement, mais ça pourrait être une demande
qui pourraient être faites et on pourrait envisager, je pense aussi dans le prochain, comment ça s'appelle encore, le contrat, c'est quoi le contrat? C'est le contrat, enfin donc il y a un contrat qui est passé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qui donc finance la RTBF à peu plus de 200 millions par an. On pourrait estimer que ça pourrait être une des missions. Enfin voilà, voilà. En tout cas, c'est un truc qui est envisageable et qui pourrait participer dans cette médiatisation de, voilà. En tout cas, moi je serais pas contre. Alors, Margot Rapticino, elle est redevenue plus grande. Alors, De Blocq, c'est une femme, elle mérite de tomber, elle est restée aussi. Alors, elle n'a pas été reprise dans le gouvernement et elle a été élue comme députée. Donc, en fait, on ne peut pas lui dire de s'en aller. Donc là, maintenant, elle est redevenue députée fédérale. Donc, elle n'a plus de fonction exécutive, mais on pas non plus. Voilà. Alors après, moi, j'espère quand même qu'il y aura une commission d'enquête qui, à un moment, va aller la chatouiller parce qu'on sent quand même bien. On sent quand même bien dans tous les témoignages ces derniers temps qu'elle a clairement pas aidé au début de la. Et clairement qu'il y a eu, au-delà d'erreurs, il y a eu des fautes, il y a eu des choix qui ont été. Enfin voilà. Mais voilà. Donc ça, j'espère qu'au fédéral, il y aura. Bon, après, c'est compliqué. Hein. L'OpenVLD est toujours dans la majorité, tout ça. Donc on verra comment ça va se passer. Alors, je continue. La 8-6, c'est pas mal. Ah non, merci. La 8-6, atroce. Alors. Vivement à live, commission urbanisme et aménagement du territoire. Mais donc, à Bruxelles, on peut les voir donc sur le site du Parlement. Alors, est-ce qu'elle regarde des films-séries qui traitent d'Internet? Ils sont quelquefois des vecteurs d'idées préconçues sur le numérique. Ah, style quoi, les séries où il y a des gens qui codent et où en fait ils écrivent n'importe quoi sur leur ordi, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est les trucs dans les médias. Tu sais, quand tu as. J'ai pas mon pull ici, mais quand tu parles d'Internet, c'est un mec avec une capuche. Tu sais, les trucs classiques, là. Et tu sais que s'il y a, il y a des études qui ont été faites, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, je le disais, mais sur la mixité dans les métiers liés au web et au numérique, mais qu'en fait, l'espèce d'image mentale du geek, comme tu le dis, capuche, tout ça, eh ben, c'est un frein énorme pour que des femmes, par exemple, rejoignent des cursus d'informatique ou s'intéressent à des carrières dans le numérique et la technologie. Et Ouais. donc, je crois qu'il y a carrément un bouquin qui a été écrit, je ne l'ai jamais lu, mais ça vaudrait quand même la peine de le faire, sur cette espèce de mythe du geek et à quoi ça doit ressembler. Et en fait, quand tu travailles dans le secteur IT, tu côtoies le secteur, alors il y a des gens qui correspondent aux clichés, hein, mais il y a aussi plein de gens, c'est juste rien à voir. Donc, voilà. Ouais. Alors attends, je regarde, j'essaie d'avancer. Apple est dans le collimateur. Nanana. Alors oui, il y a aussi. J'en ferais bien un live aussi à un moment. Il y avait une question sur le fait que Facebook soit attaqué ou que Google soit attaqué. Pour l'instant, aux États-Unis, les États sont en train de très fort attaquer les GAFAM sur pas mal de choses. Et je ferais bien quelque chose là-dessus aussi. Mais donc, c'est pas de nouveau, c'est pas le débat du jour. Alors, est-ce qu'on aura enfin un Premier ministre de couleur, je pense que ça commence à devenir long pour les minorités. Écoute, oui, c'est vrai. Alors chez nous, on a eu le cas Elio Di Rupo. Alors, il n'est pas de couleur, mais quand on voit l'historique d'Elio Di Rupo, Elio Di Rupo, il est né il est de parents immigrés italiens. Enfin, il a tout un cursus. Moi, ce que j'ai adoré avec Elio Di Rupo, c'est qu'on n'ait absolument pas parlé de son homosexualité quand il était Premier ministre. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu. C'est un truc qui est passé. Voilà. Alors après, c'est vrai que lui n'en parle jamais non plus. Enfin, je veux dire, il s'en cache pas. Mais je trouvais que. Voilà. Donc, mais c'est sûr, on n'a pas encore. Déjà, on a eu une femme première ministre un peu par la bande. Hop. À Bon, d'intérim. voilà. Après, voilà, il y a eu des bonnes, elle a fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Parce que j'ai ce débat avec des copines qui disent, ah, mais c'est une femme, c'était super. Ouais, enfin, c'est pas que c'était une femme que c'est d'office super. Et là, quand même, il y a des trucs qui. En fait, c'est une personnalité politique qui a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Mais en tout cas, elle était là, donc c'est une première chose. Espérons maintenant, en tout cas, moi j'espère qu'on arrivera à passer à une première ministre de plein droit. Voilà. Et c'est sûr, les minorités et autres choses. Ce qu'on voit aux États-Unis, on n'en a pas parlé, mais aux États-Unis, on voit le cabinet Biden qui va donner, à mon avis, on regarde tous les États-Unis chez nous. Et donc le cabinet Biden, qui commence à être lui très hétéroclite, va être intéressant et on va voir s'il y a un impact par ailleurs.
Mais je crois qu'il y a un truc avec ça, c'est qu'il ne faut pas négliger l'importance que les partis ont là-dedans. Ça veut dire que si dans les partis, on ne recrute pas des gens de la diversité, des femmes, etc., si on ne les forme pas, si on ne les outille pas, bah, ils n'arriveront pas par magie à devenir Premier ministre ou Première ministre, en fait. Et donc, je crois que c'est un enjeu interne. Et c'est vrai que les partis en Belgique fonctionnent fort, chacun aller dans leur coin, on ne sait pas exactement comment ça marche, etc. Mais par exemple, chez Ecolo, nous, on a des quotas pour la parité quasiment à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau du petit groupe écolo à Molenbeek ou au niveau des coprésidents du parti, bah, c'est toujours des duos femmes-hommes pour avoir cette parité-là. Et donc, je ne dis pas qu'il faut des quotas sur tout, mais en tout cas, il faut arriver à avoir à la fois des règles pour se fixer des règles claires pour amener la diversité et de la parité, et aussi pouvoir recruter, former les gens. C'est pas tout, quoi, parce qu'après, enfin, moi, je vois bien, pour le coup, notre coprésidente, qui est la seule femme jeune racisée de tous les présidents de parti, à être dans sa situation. Enfin, franchement, faut lire ce qu'elle reçoit comme message et tout. C'est costaud, quoi. Donc, si on n'est pas formé derrière à pouvoir encaisser ce genre de choses, si on n'est pas. Si on n'a pas des petits mécanismes en interne des partis qui permettent d'aider un peu à se protéger, c'est pas évident. Ben justement, ben parlons-en maintenant. Ben en tant que femme politique, ben ces messages, justement, là, tu pars de Rajan Mawan, mais toi, tu es aussi une femme politique jeune, très, très, très active sur les réseaux sociaux. Et ben, tu as eu et tu as toujours ton lot, mais tu as clairement. Comment ça se passe déjà quand on devient député? Est-ce qu'il y a vraiment un bouton qui s'enclenche? Tiens, Margot de Rais. Et puis le lendemain, Margot de Rais députée, est-ce qu'on voit tout de suite un... Ouais, c'est un truc de fou, c'est vraiment ça, un bouton qui s'enclenche, j'aurais pas mieux dit. Mais donc moi, entre le jour où j'étais donc, j'avais pas, j'avais, j'ai, comment dire, c'était pas encore connu que j'allais devenir députée parce que les gens ne savaient pas encore. Et le moment où ça a été annoncé par un journaliste, Fabrice Grosfilet, sur Twitter. Du jour au lendemain, j'ai une foule de gens qui ont commencé à interagir avec moi, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, alors que ça faisait des années que j'étais sur Twitter et que j'avais l'impression d'avoir parlé quasiment à tout le monde. Mais du jour au lendemain, ouais, ça s'est enclenché de façon assez spectaculaire, pour plein de raisons, parce que je crois que dans mon cas, je suis passée à une sphère, comment dire, cognitive, bon, enfin, à une sphère de sujets thématiques sur les réseaux sociaux complètement différentes. J'étais dans la case technologie, trucs sympas, gadgets, réseaux sociaux. Je suis passée à la case politique, alors avec tout son nouveau lot de personnes qui commentent et qui parlent de ces questions. Il y a ça. Il y a aussi, ben, comme tu le dis, le fait que il y a par exemple beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont des community managers qui ne gèrent pas leur communication eux-mêmes. Moi, je fais ça moi-même parce que déjà, je n'ai pas les ressources, mais parce qu'en plus, je trouve que c'est utile de parler directement avec les gens. Mais donc, je pense que les gens se sont vite rendus compte que c'était moi, en fait, derrière le compte, qui lisais les messages, qui répondais, etc. Et du coup, ça devient un moyen aussi d'atteindre assez facilement la personne, tout simplement, quoi. Et comment ça s'est passé? Est-ce que... salut Manox, bonjour Madame la députée. Est-ce que... Parce que de facto on arrivera jusque-là, ben donc tu as quitté Twitter au bout d'un moment, et parce qu'il y avait trop de messages agressifs, est-ce que ça a été tout de suite des messages agressifs ou c'est un truc qui s'est construit... Comment ça s'est Ouais. passé un peu? Disons que d'emblée, en fait, sur les réseaux sociaux, quand tu passes dans la case politique, tu dois répondre des actes d'absolument toute la classe politique depuis 300 ans. Et donc, moi, étant là depuis même pas, enfin, depuis à peine un an, enfin, je comprends l'énervement des personnes qui voient, on en a parlé, hein, mais de cas de détournement de fonds, etc. Mais juste, ce n'est pas de ma faute à moi personnellement, en fait, si ces choses se sont passées. Et au contraire, enfin, j'ai l'impression que j'essaie quand même de contribuer à changer un peu les trucs. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ce que je... Attends, Enfin, moi... je vais te couper 2 secondes. Il y a 12 ans, Carine Lalieu a ouvert son compte Twitter juste après un procès lié à Charleroi. Donc socialiste, elle est socialiste. Elle s'est pris, Ouais, mais chiffre d'enfant. elle a pris pour tout. Et Ouais. elle est passée plus ou moins au travers. Donc elle a aussi fait des pauses. Elle est revenue. Il y a des moments où il fallait. Parfois aussi, on fait des marches arrière un peu pour revenir, donc
D'ailleurs, je te demanderai si tu reviendras un moment ou pas. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'une fois qu'elle est passée au-dessus de cette shitstorm et que voilà, bon, y a toujours eu des connards qui ont continué à l'emmerder, je connais maintenant des mecs qui sont vraiment pro-MR et compagnie, qui la soutiennent. Parce que elle est passée au travers. C'est un peu une espèce De prime ailleurs comme ça. Voilà, donc je ne sais pas, mais donc voilà. Et donc au final, ben, tu as quitté Twitter. Pourquoi est-ce que toi, tu as quitté Twitter? Ben, parce que donc j'utilisais moi les réseaux sociaux et je les utilise toujours pour pouvoir échanger avec les gens. Si tu vas voir sur mon Instagram, ben, je propose des trucs, les gens en parlent dans les commentaires, ils disent oui, ils disent non, ils disent ça c'est nul, ça c'est bien. Il y a plein de gens qui m'envoient aussi juste spontanément des contenus en disant ah, ça ce serait bien de mettre ça en place en Belgique et tout. Donc pour moi, c'est ça en fait l'utilité des réseaux sociaux avant tout. Et sur Twitter, je retrouvais plus ça en fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je parlais d'un truc, bah déjà, on disait que mes idées étaient nulles, on disait que moi-même j'étais nulle. Enfin bon, du coup, c'est devenu en fait de plus en plus personnel. Et je me suis dit, mais finalement, c'est pas, allez, c'est un microcosme finalement qui fonctionne un peu sur lui-même, en tout cas pour certaines sphères, et je m'en sortirai très bien sans, et mon travail parlementaire, tant qu'à présent en tout cas, n'a plus de valeur ajoutée là-dessus, et puis les gens qui sont intéressés par ce que je fais, ils continueront à me suivre. Par contre, il y a un truc, et comme tu es journaliste aussi, au moins enfin, dans ta formation, etc., et dans ton parcours, un truc qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les journalistes utilisent Twitter de façon hyper automatique en fait pour 3 milliards de sujets. Et donc c'est marrant parce que je suis passée, tu sais, quand ils font un article sur un sujet de société, genre il va y avoir, je sais pas moi, une catastrophe dans le monde, et puis ils vont faire un article et puis ils vont épingler quelques réactions de personnalités politiques. Et ben moi, le fait de partie de Twitter, je suis plus jamais épinglée puisque je ne tweete plus forcément. Mais donc c'est assez rigolo de se dire que il y a une sorte de, ouais, de tu perds quand même un truc en fait quand tu y es plus. Et en même temps, il y a une facilité du côté des journalistes d'épingler comme ça les réactions. Je pense que c'est facile pour eux aussi. Oui, Mais mais donc c'est c'est de facile. C'est une des raisons pour lesquelles moi je dis dans toutes mes écoles que Twitter est incontournable. Si on veut communiquer, Twitter est incontournable parce que en gros, quand tu vas sur les sites des médias et tu Oui. regardes, bon, je suis désolé, je ne sais pas ce que me fait. Voilà, tu n'arrêtes pas de changer toutes les tailles. Je bouge pas. J'essaye de te. Voilà, hop, reviens. Et donc, 95% des témoignages pris dans les médias viennent de Twitter. Une fois toutes les lunes, c'est Instagram. Et une fois toutes les lunes, c'est Facebook. Et quand c'est des grosses personnalités, très grosses personnalités. Sinon, on est clairement, c'est Twitter, 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 Twitter. Voilà, hop, parce que c'est facile, hop, on voit le hashtag, on voit tous les messages qui viennent très facilement. Donc, Ouais. voilà. Alors, je Ouais. reprends un petit peu. J'ai beaucoup aimé la blague. Je disais que personne n'avait parlé de l'homosexualité d'Élodie Rouppo. On m'a rappelé que Laurent Louis l'avait fait. Alors voilà. Laurent Louis. Lol. Lol. C'était quelque chose. Tu dois aller dans Transform Color sous les limites intérieures sous la fenêtre de Margot. Attends, c'est où ça? Mais moi justement j'ai pas ça. Ça c'est dans OBS et moi je n'ai pas ça ici. Donc voilà, j'ai déjà regardé mais je ne trouve toujours pas sur la source. Mais je suis sur la source. J'ai pas ce truc dont tu parles. Attends, je regarde. Latence, espace, synchronisé. Nanana. Donc non, j'ai pas. Malheureusement. Et si je vais ici, non. Non plus. Bon, écoute, je réglerai ça pour une prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On a une question tout à l'heure qui a déjà été posée et que je voudrais poser à un moment. Mais justement, c'est sur les compétences. Ah non, attends. Non, je vais revenir parce que je voudrais. On va vider toute la carie de ton harcèlement. Il y a par exemple eu, et il y a encore toujours des gens, tu as parlé du Fairphone. Le Fairphone qui est un des grands scandales, le Fairphone Gate. Donc, il y a un poste où Margot, je vois très très bien ce poste, elle dit, tiens, en fait, on peut avoir du téléphone éthique. Et tu parles des possibilités du Fairphone. Et le tout dernier poste, c'est dire, tiens. Moi justement, j'y pense, j'y réfléchis, parce que toi, Margot, tu es une Apple fan, hein. Toi, tu as un MacBook, un iPhone, tu as tout. Mais donc, et cette phrase, et en fait, sur les réseaux sociaux, quelqu'un a évidemment pris là tout,
sauf la partie tiens, moi j'y pense, et a été recherché une photo que tu as d'un iPhone. Et en fait, il y a toute la trollosphère de Twitter qui, d'ailleurs, je l'ai reçu 7 ou 8 fois quand j'ai posté sur Twitter le fait que tu serais invité ici. Et donc, en plus, les gens voient ça vraiment comme le. Comme si on était, c'est le Watergate de Margot de Ré, c'est d'avoir parlé du Fairphone. Ça aussi, c'est un peu les trucs qui sont un peu. Et donc Dan demandait, tiens, est-ce que tu regrettais ta sortie sur le Fairphone? Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que cette polémique, tu dis, tiens, est-ce que j'ai fait une erreur ou finalement tu dis que les gens ont exagéré comme moi je le pense? Mais moi, attends, alors donc pour reprendre les trucs dans l'ordre, donc je crois qu'il y a des gens qui ont interprété ça comme je mets un sujet sur la table comme je le fais tout le temps. Enfin, je veux dire, dès que je vois un sujet qui m'interpelle, open data, intelligence artificielle, voilà, je partage, je mets, je commente avec l'honnêteté, comme tu l'as fait au début du live d'ailleurs sur tes propres, enfin, sur ton propre parcours où j'ai dit, moi, je n'ai pas fait le pas, je ne me suis jamais vantée d'avoir fait ce pas-là et je ne le ferai jamais. Mais donc, tu vois, j'ai pas, voilà, je me suis pas, j'ai pas menti ou quoi que ce soit, et donc on m'a reproché. Mais donc les gens, je pense, ont confondu une idée que je mets au milieu de la table et une injonction en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais forcé personne à acheter de Fairphone. Donc juste, je me posais la question, je trouvais ça intéressant. C'était un article du Monde qui était bien fait et qui était une review assez complète. Et by the way, c'est vrai que c'est une réflexion qui est en interne chez Ecolo où ils ont déjà équipé une partie des gens une fois avec des Fairphone, mais ça s'est pas bien passé. C'était l'ancienne génération, tout ça, tout ça. Et puis alors, du coup, il y a eu cette question un peu d'exemplarité en mode est-ce que quand on est député écolo, bah, du coup, on doit s'appliquer à soi-même de façon très stricte tous les principes de l'écologie politique. Moi, je vais le dire très honnêtement parce qu'on est dans un format qui le permet, mais si c'est ça, alors je ne vais plus faire de la politique, mais en fait, quasiment personne ne va en faire non plus. Je veux dire, évidemment qu'il y a des choses que les personnalités politiques doivent absolument faire. Je veux dire, ce qu'on a parlé au début, du détournement d'argent, du cumul de mandats, des conflits d'intérêts, ça c'est grave, c'est illégal. Après, il y a des choses sur des comportements individuels qui sont un peu plus compliquées à critiquer, quoi. Enfin, je veux dire, moi, dans ma vie quotidienne, il y a plein de trucs que je fais comme une vraie écolo cliché, on va dire. J'ai jamais eu de voiture, etc. Enfin, voilà, c'est des choix perso que j'ai fait. Je m'en vante pas non plus. Mais voilà, en tout cas, je trouvais que, comme on disait tantôt, la réaction était un peu disproportionnée par rapport au truc de base, on va dire. Après, franchement, je peux faire un mea culpa entier sur l'informatique. Mais moi, comme je viens du secteur IT à la base et que dans ma classe, quand j'étais gamine, on avait un Mac, parce que c'était à l'époque Mac qui avait remporté les marchés publics, j'ai en effet toujours eu des produits Apple. Mais ça ne veut pas dire que je ne me pose pas de questions, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc une question qui vient avec. Il y a Cécile Duflot là qui vient. Donc Cécile Duflot qui est une écologiste française, ancienne ministre, qui a eu beaucoup de postes et beaucoup de visibilité en France, et qui vient d'annoncer qu'elle quittait Twitter, et en fait en montrant des messages d'un fan. D'un fan, mais qui est un fan harceleur, et qui en fait n'arrête pas de lui envoyer des messages, et que voilà, elle n'en peut plus. On est aussi là-dedans. D'ailleurs, ceci, je le dirais pour certains, et ça arrive aussi à des hommes de se faire harceler par les femmes. Il n'y a pas que les hommes, et c'est surtout le côté en plus, le côté un peu fan qui deviennent un peu dingues. Ça, c'est vrai que c'est. Et ça, c'est pas pour la politique. C'est quelque chose, les gens qui ont une visibilité, on voit bien, tu as des acteurs américains comme ça qui ont fait des procès contre des nanas qui devenaient complètement dingos. Donc voilà, il y a le côté fan qu'il y a, et c'est sûr que les femmes politiques ont ça aussi. Ben voilà, on est là. Est-ce que toi, donc on parle de gens qui quittent, est-ce que tu envisages de revenir sur Twitter ou tu te dis, moi, c'est fini En tout cas, pour mon travail parlementaire, je vois vraiment pas d'intérêt pour le moment. Si, parce qu'en fait, je suis coupée d'une série d'actualités, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est chiant. Il faut apprendre à chercher différemment. Mais par contre, sur, allez,
L'avis que je reprendrai après mon mandat, ça d'office, à mon avis, il n'y a pas de raison. On m'a jamais embêté hein, quand je parlais de open data et autres, on m'a jamais fait chier. Donc, franchement, j'ai l'impression que c'est assez circonscrit à la question politique, quoi, ça c'est sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais sur ça, je crois que il y a aussi du côté des gens un énervement légitime, quoi, d'avoir vu des années de personnalités politiques qui faisaient des trucs vraiment pas cool, qui détournaient de l'argent, etc. Et donc il y a une sorte d'irritation que je pense qu'on doit pouvoir entendre aussi, mais du coup à certains moments c'est vrai que ouais c'est un peu violent en fait. Et bon, comme tu le disais, il y a des trucs qui sont liés aux propositions politiques, les gens vont critiquer telle ou telle proposition que tu fais, et puis il y a des gens qui vont juste te dire que tu es moche, pardon hein, je le dis tout comme ça, mais que tu es conne, que tu devrais pas être là, que tu ferais mieux de faire à manger et de retourner dans ta cuisine, enfin tu vois, des trucs qui sont liés plus au personnel alors qu'aux questions de fond et aux questions de débat public, parce que débattre c'est cool quoi, je veux dire, on est en train de le faire là. Tiens, tu disais que tiens, à la fin de mon mandat, je retournerai peut-être sur Twitter. Alors, je me doute bien que tu n'as pas fait de plan de carrière sur 20 ans dans ta vie, mais est-ce que tu penses faire plusieurs mandats? Ou est-ce que tu te dis, je viens pour un mandat et puis en fait, je vais arrêter? Ou alors, est-ce que j'en fais deux, trois et puis je me dis que ce sera bien? Ou est-ce que tu n'y as pas encore réfléchi? En fait, c'est très compliqué parce que faut déjà savoir que si j'ai été mise sur, enfin, si j'ai été sur la liste écolo, c'est parce que avec des potes très tard le soir, le jour de la clôture des candidatures en interne chez écolo, de savoir qui allait se présenter pour être potentiellement candidat, donc j'étais avec des potes et ils m'ont poussé quoi, ils m'ont chauffé, ils m'ont dit allez, les sujets numériques, il n'y a pas beaucoup de gens chez écolo, machin, donc Non, bah, vas-y. tu peux dire que c'est un vieux Paris bourré à 11 h du soir. Non, pleine détention de mes moyens, mais ouais, un peu à coup de, enfin, pas à coup de tête, mais en tout cas, un truc où je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être une place, enfin, des compétences à amener, en tout cas. Donc, ça, c'est une chose. Donc, pour moi, c'est compliqué de me projeter. Mais il y a un truc, c'est que je ne le ferai qu'à partir du moment où j'apporte quelque chose, le moment où je vais être. Enfermé entre guillemets, et je pense que c'est le risque quand on reste trop longtemps, mais dans la sphère politique et parlementaire, avec les réalités qui, forcément, enfin, je veux dire, quand tu passes comme aujourd'hui toute une journée au Parlement où t'as pas le temps d'interagir avec les citoyens et les citoyennes, et où tu es dans des séances plénières où on discute de budget, où il y a que des députés et tout, ça a un côté un peu, ouais, sur le long terme, ça. Moi, je pense que ça peut quand même couper un peu de la réalité. C'est très dur, en tout cas. Il faut se forcer à aller voir des gens, à aller dans l'associatif, à rencontrer des personnes, à discuter, à débattre et tout. Donc, je pense qu'il y a un moment donné où j'aurais donné tout ce que je peux. Et puis, il y a aussi un moment donné où je crois que j'aurais envie, à titre perso aussi, d'avoir d'autres. Allez, retourner dans d'autres sujets, quoi. Tu sais, au Parlement, entre ta bonne idée et sa réalisation concrète, il faut des mois, voire parfois même toute Des une. années. Ouais, alors que moi j'étais habituée à avoir une bonne idée sous ma douche et à ce que 2 heures après elle soit en train de se réaliser, quoi. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu, il faut s'adapter, quoi. Voilà. Et est-ce que tu là on parle de voilà de faire des plans comme ça de est-ce que si on te proposait de devenir secrétaire d'État au numérique, c'est quelque chose que tu pourrais envisager plus tard dans ta carrière? Ouais, je crois que déjà j'aurais trop peur, mais. Allez, ouais, sans doute que bien entouré, ça doit être dingue en fait, parce que tu peux vraiment là changer des trucs. Toutes tes décisions quotidiennes, elles ont un impact quoi, donc ça doit être incroyable. Mais super bien entouré, alors franchement, ouais. Parce que donc vous avez vu comment j'ai amené le sujet Charles Michel Mathieu Michel hop. Mais non mais c'est parce que c'est un vrai débat. D'ailleurs Mathieu Michel je dois relancer son directeur de cabinet avec qui j'ai déjà eu une première discussion pour espérer l'avoir ici parce que là on a pour une matière très quand même complexe, on a quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qui ne s'en cache pas. Je pense qu'il travaille parce que j'ai regardé toutes ces interviews. On sent que ça bosse et qu'il reste pas au bord du chemin à regarder ce qui se passe. Donc ça, au moins c'est pas mal. Mais toi, quelle vision tu as justement de ça un peu? Maintenant tu as les deux pieds en politique et de se dire tiens voilà on a une thématique que tu connais bien et on a quelqu'un qui est un vrai débutant, qui est un noob, comme on dit dans le web, et qui porte la matière.
C'est une question hyper compliquée parce que je me la suis posée aussi pour moi-même, à savoir que moi, je suis peut-être l'inverse de Mathieu Michel, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout politique à la base, mais je ne suis pas une trop mauvaise technicienne, c'est-à-dire que je peux comprendre beaucoup plus le fond, le fond de la thématique. Du coup, allez, si tu mets que des techniciens dans les gouvernements, bah, ça va te poser des problèmes parce qu'ils auront une moins bonne vision politique et donc ça risque en tout cas d'être un apprentissage pour eux. C'est mon cas aujourd'hui, je dois apprendre aussi ce côté-là. Que là, on a l'inverse, on a quelqu'un qui est très politique et qui finalement, en termes d'expertise technique, pas, enfin, en tout cas n'a pas encore montré beaucoup de toutes ses capacités. C'est beau ça. Mais Toi, tu as beaucoup de capacités en diplomatie déjà, je vois. ça déjà. Mais donc, moi, je crois que ouais, il y a un peu un juste milieu. Après, comme le gars, moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. C'est vrai que jusqu'à présent, ses interventions m'ont pas secouée. Mais je me dis que voilà, ça doit pouvoir s'apprendre aussi. Ça, c'est clair. Bah, après, c'est vrai que ouais, il y a des symboles que j'aurais apprécié, tu vois, avoir quelqu'un de jeune, avoir une femme. Ou, enfin, Ouais, il est il y avait. jeune, hein. Enfin, il a 40 ans, hein, je veux dire. Non, mais il a l'air d'en avoir plus. Et il avait, moi, j'étais à l'IEX avec lui il y a 20 ans. Il avait déjà l'air vieux. Enfin, c'est comme ça. Mais c'est comme Charles Michel, quand il est devenu ministre wallon là, à 24 ou 25 ans, il avait déjà l'air vieux aussi. Donc voilà, ils ont l'air vieux. Et je crois qu'il se prend en plus de ça le côté dont je parlais, tu vois, les gens qui n'en peuvent plus, des politiques qui commettent toujours les mêmes erreurs, entre guillemets, parce qu'il est le frère d'eux, le fils d'eux. Et du coup, ben, ça lui colle aussi à la peau. Et donc, en fait, il se fait juger encore plus durement sur la scène publique, quoi, à cause de ça. Donc, franchement, ouais, je crois que le gars n'est pas dans une situation confortable. J'ai un peu d'empathie quand même pour lui. Mais voilà, comme tu dis, il a quand même l'air de se secouer. Après, Et... et puis je pense que les secrétaires d'État, ils sont sous tutelle en fait. C'est-à-dire qu'un secrétaire d'État dépend d'un ministre et son ministre de tutelle, c'est Alexander de Croo. Alexander de Croo qui lui était clairement le prédécesseur et qui lui, par contre, a une autorité dans le domaine. Et donc, c'est une question que je lui poserai, mais dans son cabinet, je suis persuadé qu'il a récupéré les gens du cabinet de Croo qui vont Exact. gérer les thématiques. Donc voilà, à ce niveau-là, pour ça j'ai déjà dit ici plusieurs fois, je ne suis pas trop inquiet. Parce qu'en plus, ça veut dire que De Croo va pouvoir. En fait, pour Alexander De Croo, si vous êtes fan de De Croo, la situation, elle n'est pas si problématique que ça. Parce que s'il a mis ses hommes chez Michel, au final, c'est lui qui va gérer indirectement, plus ou moins. Et donc, et Mathieu Michel ne pourra pas partir en freestyle. Et donc, voilà, pour ça, je ne suis pas trop inquiet. Donc on verra bien. Mais en tout cas, donc Mathieu Michel, on en a parlé. Mais si tu fais-moi signe, hein, je vais réécouter. Ben bien sûr. Alors voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut être geek pour être ministre ou du digital ou des internets? Voilà. Et peut-être pas. Peut-être qu'être complètement geek va aussi être. Voilà. Ça pourrait être problématique. Il y a des capacités genre de négociation, etc., que peut-être que Ouais. moi j'ai moins parce que je suis plus technicienne. Enfin, et encore, parce que des fois, il y a moyen de faire passer des trucs justement parce que tu as une méga expertise et que du coup, les gens, ils sont là genre, ok. Respect, on va la croire parce qu'elle a vraiment l'air de maîtriser le sujet. Donc c'est aussi un atout à certains moments. Alors, on a une question, double question sur les commentaires. Une question pour toi. En devenant député, est-ce que tu as supprimé des anciens postes sur tes réseaux quelque part? Ouais, j'ai enlevé tout mon historique Twitter parce que. Comme j'avais. Bah en fait, je l'ai fait avant quand j'ai commencé à bosser pour Écolo. Donc, comme Mathieu, je le disais, moi, j'ai bossé à la communication à temps partiel pendant, je pense, 3 ans. Et là, quand j'ai été engagée chez eux, j'avais vidé mon compte Twitter en fait, du passé pour être sûre, parce que le côté. Enfin, j'avais peur qu'Écolo ait voir des blagues de 2010 qui craignaient ou des trucs comme ça. Je sais pas, je me suis dit du second degré ou quoi. Ouais. Ah Donc, oui, non, non. Et ça m'arrive. Pour des raisons professionnelles, en fait, ce qui tu est vois. assez, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as dit 2010, hein. 2010, c'est vraiment. C'était une année charnière où on faisait Ah beau. C'était une année charnière. Je crois que c'est un peu après 2010 qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand tu fais une blague, ben, finalement, que 100 personnes font la même blague à la même personne. Enfin, c'est plus une blague, c'est du harcèlement. Et voilà. Mais moi, j'avais écrit, hein, j'avais écrit sur mon blog quand il y a eu l'affaire de la Ligue du LOL. J'avais bien écrit qu'en fait, si on allait voir tous mes tweets entre 2008 et 2012, il y aurait sûrement plein de choses à voir. Mais donc voilà, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais rien effacé.
Ça, Ah oui. bon, y a, tout est là. Bon, Et ça après, t'a jamais porté préjudice dans tes emplois, etc. non. quoi. Non. Après, moi, j'ai 115 000 tweets, hein, donc il faut avoir envie de les lire. Hein. C'est une autre stratégie. Alors, Manox qui demande, est-ce que maintenant il y a des intelligences artificielles qui peuvent nettoyer les commentaires des gros cons? Alors, pas sur Twitter, mais il y a, moi par exemple, on travaille avec une firme française qui s'appelle Netino et qui est une firme qui fait du nettoyage pour la plupart des médias français et belges, qui eux, en fait, que ce soit pour... ils font ça pour YouTube, Facebook. Est-ce qu'ils font aussi Instagram? Je sais pas s'ils font Instagram. Et en gros, il y a une boîte qui gère donc les commentaires et qui automatiquement, en fait, il y a des robots. Tu fais un dictionnaire. Nous, on a fait ça. J'ai bossé là-dessus au printemps. On Ah a fait oui. tout un dictionnaire pour tous les mots qui, s'ils arrivent dans un tweet, hop, on vire. Hop, 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 on dégage. Alors, on a en fait ce qui est bizarre, c'est que j'ai surtout travaillé à retirer des mots du dictionnaire. Parce Ah que oui. ben, la boîte, oui, ils le font, mais alors ils mettent le mot, par exemple, j'utilise souvent ce mot, le mot chienne, ils le suppriment d'office. Et moi j'ai Oui. dit, non, il faut le mettre dans un truc à relire, mais enfin, chienne, ça reste au premier degré, ça reste un mot. Voilà, Ça peut donc, arriver, quoi. oui, Ouais. non, en fait, eux, tous les mots un peu tendancieux, vroup, Ah oui. ils supprimaient tout, et nous on a quand même dit, nous on a un média, on ne peut pas se permettre de commencer à censurer tous les commentaires, on doit passer à l'humain. Et donc Netino, ils font d'abord le robot qui passe, et puis tous les mots, ben, comme chienne, on l'a mis dans une deuxième liste, où il y a un humain qui passe. Et Ah donc ça oui. veut dire que les community managers de la RTBF arrivent seulement après. Ah oui, Voilà, mais c'est ça. donc il y a de plus en plus quand même d'outils qui sont mis en place, clairement. Mais pour Twitter, par contre, il n'y a pas. Par Et contre, ce qu'il y a... Vas-y, 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 excuse-moi. individuellement, moi j'avais une app pour me protéger entre guillemets. Ça s'appelle Bodyguard. Je sais pas si tu Ouais. connais. Et donc en gros, j'explique pour ceux qui nous regardent, Tout à mais tu fait, tout à lis fait. Insta, ton compte Twitter, ton compte YouTube aussi. Et le truc va masquer automatiquement les insultes, naninana. Par contre, ce n'est pas exactement une IA, parce que si j'ai bien compris, c'est collaboratif en fait. Donc quand il y a une activité anormale sur un tweet, ce tweet va être suggéré à tous les utilisateurs de l'app. Et alors, les gens eux-mêmes vont aller trier pour les autres. Et alors, par exemple, il y a des gens qui ont vu, par exemple, il y a une fois où je me suis engueulée avec des fachos d'extrême droite français, c'était terrible, mais donc où j'ai reçu plein de messages, etc. Et là, il y a des gens qui ont été dire, OK, ça c'est une insulte, ça c'est une insulte. Et après, moi, du coup, c'était masqué sur mon Twitter. C'est un super outil, Ah oui, franchement. ça savait pas, c'est top, je savais pas que c'était à ce point-là. Franchement, c'est bien. Ah Ouais. oui, ça Et c'est bien. comme tu dis, mais là, vraiment, les mots de trash, quoi, débile, moche, tous les trucs, les insultes. Et alors, ce qu'il y a eu aussi, et que je trouvais intéressant, mais qui a fait scandale à un moment, mais il y avait une liste aussi, il y avait une liste des trolls que beaucoup de femmes se sont partagées, et en fait elles ont moi je sais, j'ai des copines qui sont allées bloquer, et même voilà. Ah, donc évidemment tu as des mecs qui étaient bloqués en avance, mais qui sont des mecs, et pas que des mecs d'ailleurs, enfin, c'était des comptes cachés. Alors oui, hop, En Belgique, ça? non, c'était franco-belge, mais surtout franco, t'avais voilà. Donc c'était alors après le problème, c'est que c'est des choses qui sont les gens changent de pseudo et tout, mais donc voilà, il y avait aussi mais donc pour répondre à cette question, oui, il y a des choses qui se mettent en place. Donc on parle de bodyguard, il y a des outils plus professionnels, et donc clairement, mais il y a quelque chose, il y a un gros travail à faire, les commentaires qui restent, parce que il y a pour l'instant, moi, le prochain combat, ce sera aussi de travailler et de répondre aux gens, aux commentaires qui sont en fait polis, mais en fait dégueulasse. Parce qu'il y a des gens qui mettent des beaux commentaires sur les Facebook, et en fait c'est des saloperies, sauf qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de... voilà, donc et les sous-entendus sont complètement graveleux. Et c'est juste que ça rentre dans des codes. Alors, salut communisme suisse, assez rigolo ça. Est-ce que communisme et Suisse, ça va ensemble? Je ne sais pas, mais je trouve ça très drôle. Alors ici, tu as dit quelque chose... Et c'est une question qu'on m'avait demandé de te poser en amont. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'anonymat, justement, sur les réseaux sociaux? Parce que maintenant, toi qui as justement qui t'es pris de plein fouet, quelle est ta posture par rapport à l'anonymat sur Internet?
Mais je reste convaincue que pour 3 millions de cas, c'est positif en fait, parce que c'est des gens qui peuvent faire sortir des informations qui sont pas accessibles et des fois au détriment de leur propre carrière et tout. Donc franchement, je crois que c'est important de maintenir ça, parce que aussi, voilà, ça fait partie entre guillemets de l'univers des réseaux sociaux, d'avoir des pseudos, ce genre de choses, des sortes d'avatars un peu qu'on construit, etc. On n'a pas dit que sur les réseaux sociaux, il fallait dire que la vérité. Enfin, je veux dire, voilà, je me souviens assez bien des skyblogs qu'on avait. Alors, il y avait les skyblogs assumés, puis il y avait les skyblogs pas assumés où on racontait des trucs, etc. Voilà, je crois que ça reste important comme moyen d'expression, etc. Et toutes les questions liées à la liberté d'expression. Mais il y a quand même, en effet, aujourd'hui, le problème de personnes qui se réfugient derrière cet anonymat pour faire de la merde, pour le dire comme ça, mais donc pour avoir des comportements qui sont illégaux, finalement, propos racistes, homophobes, etc. Mais ce qui me semble plus intéressant, on va parler d'un truc que à mon avis, tu aimes bien, mais c'est de renforcer, par exemple, les moyens de la justice quand il y a une plainte qui est déposée contre un compte, par exemple, qui est auteur de harcèlement ou quoi à l'égard d'une personne, c'est de pouvoir renforcer les moyens de la justice et de la police pour investiguer, de savoir qui est cette personne. On a en Belgique la Cybercrime Unit, avec mon accent anglais. Digne de la famille Michel. Mais donc, cette unité de recherche, elle n'est pas très grande, elle n'est pas beaucoup financée non plus. Donc, c'est dommage, quoi, parce que c'est des gens qui pourraient vraiment, dans les cas graves, intervenir et rechercher l'identité des gens et avec des décisions de justice et tout, hein, je ne dis pas, tu vois, mais ça serait intéressant, quoi. Tu fais une magnifique transition aussi sur le fait qu'on commence à avoir pas mal de plaintes dont on parle pas mal sur les réseaux sociaux. Avec certaines, là il y a cette semaine, on a une personne qui a été mise en détention préventive, en tout cas pour des faits d'harcèlement, puisqu'il il avait mis les coordonnées d'une quinzaine de journalistes cet été sur Viva Street, je pense. Mais il y a aussi eu d'autres affaires qui sont en train d'être jugées. Est-ce que tu les suis? Quel est un peu justement ton regard là-dessus sur avec justement il y a des trucs, il y a des victoires, mais il y a aussi des défaites. Comment tu vois ça? Moi, je crois que le plus important, c'est de regarder comment la justice est outillée pour traiter ces questions. Et aujourd'hui, c'est vrai que, allez, c'est encore un peu compliqué, quoi. Si tu vas dans un commissariat pour porter plainte pour du cyberharcèlement, il y a beaucoup de chances pour que la personne que tu vas avoir en face de toi doive te renseigner, poser des questions à des collègues pour savoir comment traiter la plainte, qu'est-ce qu'il faut mettre, comment on qualifie les faits, ce genre de choses. Et donc, ça ne veut pas dire que la police est de mauvaise composition, qu'elle n'a pas envie ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle n'est pas formée, comme on le disait, avec les profs, les écoles, tout ça. Mais elle n'est pas formée à ces nouvelles façons d'enfreindre les lois, en fait, tout simplement. Et donc, il y a ça du côté de la police, puis tu as ça aussi du côté de la justice, où en effet, les juges, enfin, j'ai pas encore eu accès à des comptes rendus d'audience et autres, mais à mon avis, ça doit pas être très facile que la législation qui a parfois été écrite il y a je sais pas combien de temps colle avec la réalité aujourd'hui, quoi. Enfin, Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu pourrais travailler? ben, c'est pas à mon niveau de pouvoir, malheureusement, parce que c'est des compétences fédérales. D'accord. Mais la nouvelle secrétaire d'État à l'égalité des chances, qui est écolo, elle est consciente de ces questions-là. Elle a déjà dit qu'elle allait travailler notamment avec le ministre de la Justice pour renforcer tout ce volet de formation, d'information aussi, enfin, et de suivi aussi des plaintes. Parce que c'est vrai que des fois, les plaintes sont classées sans suite parce que, par exemple, on ne sait pas recouper qui est la personne. Donc, c'est un anonyme, mais on ne peut pas faire un procès contre un anonyme. Donc, ça tombe dans le tiroir du juge et puis voilà. Mais donc, ouais, je crois qu'il y a des choses en tout cas à observer, à mon avis, aussi à l'international à ce niveau-là. Moi, enfin, ouais, je crois vraiment qu'on peut continuer comment dire, à mieux équiper les gens qui vont aller en ligne, à responsabiliser aussi les plateformes au contenu qui s'y diffuse, parce que c'est facile de dire on n'est pas responsable de ce qui se dit, ben, en fait, un peu quand même. Ça, c'est trop facile de dire le contraire. Et puis, alors, la question, ouais, justice, police et sanctions qui vient après, quoi. Parce que je crois que ça découragerait quand même les gens, en fait, s'il y avait plus de sanctions. Oui, attends, j'avance dans le chat en même temps. J'adore donc tout à l'heure communisme suisse. Attends, attends, tac, tac. Donc il y a eu tout un débat. À Genève, on a une moulure de Lénine au centre-ville. On va aller en Voilà.
Alors, on a déjà pas mal avancé. Il est 11 h du soir, donc finalement, tu vois, ça fait déjà 2 heures. Oui, ça fait déjà 2 heures. Pardon? C'est un record. Moi, je suis une couche tôt, donc. Voilà, mais de toute façon, je vais plus trop te garder longtemps. Tu as commencé à travailler très tôt. Je regarde un petit peu dans le chat. Attends, tac, tac, tac. Bon, je ne vais pas tout reprendre. Il y avait une question du début que j'ai gardée peut-être pour la fin. D'abord, donc, je te remercie d'être venu. C'était très intéressant. On aurait pu, en fait, faire plein de débats sur plein de thématiques. Mais voilà, on ne peut pas. Mais déjà, on a déjà beaucoup dit en 2 heures. Tanguy qui demandait pourquoi est-ce que tu t'étais engagé en politique. Donc, on sait que c'est parce que tu étais bourré en fin de soirée. Mais deuxième possibilité, c'est lui demandait est-ce que finalement, à 30 ans, on ne s'engage pas en politique parce qu'on trouve que la parole du citoyen n'est pas assez écoutée et qu'on a envie de se dire, tiens, moi, en tant que jeune femme de 30 ans, on n'écoute pas beaucoup les jeunes et que moi je vais là. Voilà. En effet, c'est un truc qui me parle assez fort et de me dire, allez, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le monde, qui lit beaucoup, qui, voilà, qui analyse sans doute beaucoup ce qu'elle a autour d'elle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, moi, je pourrais essayer de mettre mon temps au service de sujets et de causes qui me dépassent un peu pour essayer de les faire avancer. Enfin, par exemple, j'ai pendant de nombreuses années vécu le retard en matière de numérique en Belgique. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, si je m'engageais, je pourrais peut-être faire évoluer les choses et amener mon petit grain de sel, ma petite expérience du terrain, parce qu'en effet, bah voilà, maintenant des gens qui entreprennent dans des startups ou même dans des projets, juste dans des projets divers et qui sont jeunes, qui voient pas non plus des projets de carrière hyper rectilignes où ils vont s'engager dans un job et puis rester jusqu'à la fin de leur vie, ben c'est aussi des nouvelles façons d'appréhender, ouais, une vie complète. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui peu de gens en politique qui ont ce vécu-là, quoi. Donc je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à apporter. Et comme je le disais, le jour où j'aurais plus rien à apporter, je pourrais refaire autre chose. Et puis voilà. Mais c'est clair que c'est une sacrée motivation, en tout cas. Et je voulais dire que l'exercice de ce soir me fait hyper plaisir parce que c'est vraiment un format complètement à l'opposé de tout ce qu'on est habitué à vivre en politique. Donc, à savoir qu'un passage média, je crois qu'en moyenne, c'est 30 secondes. Donc là, on vient de parler pendant plus de 2 heures. Hyper posé, hyper bienveillant. Alors, je ne sais pas, tu as peut-être filtré des gens qui nous insultaient, j'en sais Très rien. peu, très peu. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que comme je te l'avais dit en amont, en fait, le format de Twitch a intégré, c'est un format le côté à côté, c'est un format forum. Et donc, il y a des modérateurs, il y a des choses. Et en gros, ben voilà. En plus, il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, les Flamands, c'est tous des cons. Je lui ai dit, écoute, voilà, la réponse de cette personne, ça a été, oui, je comprends, désolé. Et voilà, ça fait vraiment partie ça fait partie de l'ADN de Twitch. Et donc, il y a eu un moment, je pense, il y a une personne qui a eu un bannissement de 600 secondes. Voilà. Mais donc, il y a quelque chose qui est là, qui fait Ça veut partie. dire que c'est un format qui est intéressant aussi, du coup, à exploiter de façon générale pour le débat, etc. Allez, un de nos sujets, c'était quand même comment on fait du débat en ligne aujourd'hui en toute bienveillance, parce que quand on parle de cyberharcèlement, c'est aussi ça, l'autre côté, c'est parce qu'en fait, on a envie de pouvoir discuter de façon posée et bienveillante et de débattre. Et en fait, c'est ce qu'on a fait quelque part. Donc, ouais, je suis super, vraiment super contente, super enthousiaste aussi, parce que du coup, je me dis, mais donc, il y a encore plein de façons de faire Tout à des fait. choses. Ouais, Alors, j'ai hyper. encore 2 questions que j'ai envie de te poser. Donc, José, est-ce que tu as un exemple récent d'une histoire, d'un aspect super positif qui permet de projeter, défendre le numérique dans l'optimisme? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du web ces derniers temps de manière négative, enfin en tout cas dans les médias, parce que ici, tu viendrais sur ma chaîne chaque semaine, on n'en parle que de manière assez positive. Mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ces derniers temps? Ouais, un truc, mais qui est vraiment perso et qui n'est pas lié à mon taf chez Ecolo et au Parlement. Hein. Donc, Pas de problème. mais au tout début du premier confinement, avec
plusieurs personnes, plusieurs femmes pour le coup, on s'est dit, mais punaise, les gens ont des besoins et d'autres ont des élans de solidarité et on n'arrive pas à matcher le tout. Et du coup, on a mis en place bêtement un groupe Facebook de solidarité pour Bruxelles, pour le corona. Et voilà, on a fait ça à quelques-unes. Moi, je me suis vite retirée parce que je ne voulais pas que le truc soit politisé et embarquer les autres plutôt dans un truc Oui, bien où sûr. elle. Mais voilà, mais ça par exemple, les milliers de messages qu'il y a eu de gens qui avaient des besoins, d'autres qui avaient des choses à proposer, des échanges qu'il y a eu, enfin, franchement, j'ai trouvé ça dingue. Et ça, c'est à l'échelle bruxelloise. Et puis alors, à l'échelle Et internationale. alors, avant que tu changes, je trouve que ce groupe est un cas d'école en plus au-delà d'avoir été créé en quelques jours par et puis par des femmes, c'est après l'organisation du groupe. Pour les gens qui veulent savoir c'est quoi un groupe Facebook bien organisé et bien c'était dingue. Il y a eu hop directement, il y a eu une espèce d'organisation, puis des sous-groupes thématiques, des choses très très bien. La gestion du groupe, c'est vraiment à montrer dans les écoles de communication, vraiment au-delà du fond. Sur la forme, Et c'est merveilleux. aussi beaucoup de bienveillance, de ne pas vouloir donner de fausses informations. Donc vraiment une espèce de charte interne des personnes qui modéraient et qui géraient le groupe hyper positif, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un truc chouette. Et alors, ouais, donc mon deuxième exemple sur le même système. En fait, il y a eu un Slack qui a été lancé au niveau de la francophonie, donc tous les pays francophones du monde, un peu des gens de tous les secteurs, technologie, santé, qui sont réunis sur un énorme Slack pour justement échanger sur les questions sur le coronavirus et ses différents aspects. Et donc, par exemple, tu avais une channel sur éducation. Et donc, tu avais des gens du Congo qui te partageaient leur expérience d'éducation à distance, des gens du Canada, enfin, un truc de dingue à échelle du coup hyper internationale. Donc moi je trouve que c'est ouais les deux exemples récents que j'ai vécu plus personnellement du coup et comme curieuse plutôt que comme députée, mais qui me font me dire que ouais le numérique a vraiment des potentialités de dingue en fait. Oui, mais merci, c'est très, très bonne idée. Et alors, j'ai une autre question qui est aussi de José, qui l'a posée au milieu. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose et dont on va parler pour terminer ce live? Ah, c'est un cadeau et j'ai pas réfléchi. ben peut-être. Ouais, si je sais. Le truc le plus chouette depuis que je suis dans ce monde-là et que je fais de la politique, etc. Parce que donc on a parlé beaucoup des trucs un peu chiants, des fois pas très chouettes et tout. Mais le truc le plus chouette vraiment, c'est quand il y a une personne qui m'envoie un message que je connais pas et qui me dit ah. Je sais pas moi, j'ai été confrontée à telle situation et on m'a expliqué qu'il y avait tel truc qui existait pour solutionner mon problème, en gros. Et en fait, j'ai appris que c'était vous qui aviez mis ça en place, notamment via le Parlement, machin. Bah, ça, c'est un truc vraiment, c'est super. Enfin, c'est juste la raison pour laquelle je fais ce métier. Et le jour où il y aura plus ces messages-là, bah, ça voudra dire que je dois faire autre chose, tout simplement. Ben voilà, Ouais. on termine pas mal. En tout cas, ben merci beaucoup Margot, c'était très chouette. Vraiment hyper chouette, hyper chouette. Je vais dire à tout le monde de venir. Ben oui, est-ce que, ben voilà, en tout cas, merci aussi pour tous les gens qui ont suivi la chaîne. Margot, est-ce que tu n'as pas suivi la chaîne encore? Je t'ai vu, je te surveille. Par contre, je me permets aussi, tant que vous êtes là, tous les dimanches, j'organise un quiz ici à 21h. Sur l'actualité. Quelqu'un l'a déjà dit, il y aura certainement une question sur Margot Doré, puisqu'elle aura fait partie, elle aura fait partie de l'actualité de la semaine. Donc voilà, on l'a déjà fait deux fois, ça commence à bien prendre. On a déjà une vingtaine de personnes qui sont là. C'est des questions sur la politique, évidemment, mais le sport, la culture, mais les infos people, les infos du web, le hard news, donc c'est vraiment les infos, le tout venant. Donc voilà, on s'amuse bien, donc n'hésitez pas à venir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine, mais j'aurai le temps de trouver d'ici là. Donc cette rencontre avec Margot, c'est la première. Donc pour ceux voilà, même si j'ai le cœur plus proche d'écolo que d'autres partis, il y aura d'office d'autres partis, donc il n'y aura pas de souci avec ça. Comme vous l'aurez remarqué dans cette chaîne, je commence beaucoup à inviter d'abord les gens que je connais et que j'aime bien, et puis après l'idée c'est d'avancer plus loin. Mais j'ai déjà d'autres noms, j'espère évidemment que Charles Michel passera ici aussi. Et donc voilà.
Ça En tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était chouette. Je ne sais pas si vous avez encore des questions dans le chat. Donc voilà, j'ai pas su prendre toutes les questions. Vas-y, Margot, Même pardon. si il y a encore des questions par après, faut pas hésiter. Soit à te les envoyer à toi et puis toi tu me diras. Mais ouais, moi je suis dispo et je réponds. Donc Donc franchement, n'hésitez pas. voilà, n'hésitez pas. Et par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette et que j'ai oublié de te faire un petit lien, comme je fais toujours pour tout le monde. Alors, je vais vite mettre. Donc n'hésitez pas à suivre Margot sur Instagram. C'est vraiment là pour l'instant que se passe sa communication. Donc voilà. Top. Alors oui, on a aussi un Discord. Si tu veux nous rejoindre à l'occasion, n'hésite pas. On fait plein de choses. Cool, là, vous avez tout l'outil, c'est gay. Ben oui, hein, Ok. l'idée c'est d'avoir. Donc voilà, hop, Margot, ben on va te laisser en grand pour terminer. Merci beaucoup tout le monde. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que l'idée aussi après c'est d'aller se balader ailleurs? Et je sais, on va aller chez PY, qui est hop, un mec sympa. Donc je vous envoie ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ben, l'idée c'est d'aller faire coucou à un autre streamer. N'hésitez pas à rester au moins quelques minutes. Là, il joue à Rocket League, c'est un mec sympa. Donc voilà. Merci Margot. J'espère que tu reviendras de temps en temps nous voir. Avec Et plaisir. voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Je vous retrouve dimanche à 21h et à bientôt. Voilà, Merci. encore 2-3 minutes et on s'en va. Et voilà. Merci les gens. Allez, 1, Merci. 2, 3, 4, 5.